Putain, mais c'est vous l'inventaire Et en du tout jeu. cas, tout à l'heure, Pidi, j'ai remarqué qu'il appréciait ta petite jupe violette. Oui, Ouais. ouais. Ah ouais. Si, ouais, on Rappelons t'apprend. les événements. Ah, il était même, il a apprécié, il a fait Ah, oh, elle est bien, la jupe violette. J'ai dit, ouais, sympa la jupe de Allez, à canette, moi. ça sonnait bizarre. Mais surtout qu'en Mais voilà, fait, c'est aussi ça. j'ai l'impression qu'on va avoir des quêtes romantiques par Ça, rapport c'est. à nos personnages. Hein. Tu vas voir, tu Ah vas bah, voir. moi, j'ai déjà eu un crush, hein, déjà. Ah bah. Ah bah oui, il y a que. Gamebreaker, d'ailleurs. Un crush Gamebreaker. C'est clair. Bah ouais, essentiel. Ah bah C'est clair. t'as loupé un autre affront fait au nain aussi. Larko me dit, ah pourquoi ton personnage il est accroupi? Ouais, j'avoue. Ce racisme. Mais en fait, je te voyais près de la flaque de sang, je me dis, il s'est agenouillé pour l'inspecter, je sais pas quoi, je savais pas qu'on pouvait s'agenouiller et tout. Moi j'ai eu 2 secondes de m'attendre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Merci pour le Voilà. Et retour des encore, tu te voix. parles? Tsuki, du Ouais. coup. Ce racisme, quoi, Allez, je faut que sais j'en sorte un peu clair de qui pas. parle, Ah quel là mot j'utilise. là. Moi aussi, faut que je vois ça. Mon Dieu. Putain, j'ai Faire un tellement épinglé dans bordel mon. en bureau là. Ah, moi je garde l'épinglé de la conve à l'endroit. Ouais, mais t'es fait une petite. Ah oui, merde, c'est vrai, moi aussi. Il y a un truc bizarre qui s'était arrivé aussi, c'est qu'il y a une prisonnière du camp qui était venue parler, ouais, il y a un vagabond et tout. Non mais Au personnage. je pense que c'est parce que c'est moi qui ai attaqué, parce qu'en plus moi je pouvais me dénoncer, tu sais. Ouais, c'est parce qu'on a fait on a Bah vous. foutu la merde à Ouais, faire parce des que sauts j'ai et tout. attaqué Bah la oui, bête on a tellement de foutu la merde partout. C'est ça. Oh, c'est pété. Ah bah, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben ouais, là faut faire un état des lieux là, Ouais. Alors moi je me souviens qu'on devait voir Fane pour voir si on pouvait le rendre le découpe masque, découpe visage là. Ah oui, Ah bah c'est vrai. ouais. Fane. Tu sais qu'on doit rendre des quelques quêtes, je pense, ouais, déjà. Bah, Bah sachant qu'on sait même pas si on peut le rendre ou pas. Par contre, c'est pété, je viens de comprendre que je peux faire exploser quelqu'un corps à corps avec ça. Ah, t'as un sort Ça qui permet de faire ça? Ok, cool. Moi, j'ai réfléchi à une m'inscrit grave. chose. Ouais. En fait, c'est le déco visage au final. Ce que je veux rendre à Fane qui me permettrait de faire exploser mes cibles. D'accord. Il y a le complexe souterrain de Bracchus Rex. Me souviens pas de ça. C'est pas ce qu'on a fait pour Bracchus Rex, c'est celui qui avait emprisonné Ouais, non, mais les ça c'est escargots d'autres là, choses. non? C'est pas ça? Apparemment, Bracchus Rex aurait fait un complexe souterrain autre. Ah bon? D'ailleurs, Mais justement, c'est. je me posais une question en ayant un peu revu notre dernière session. Vous savez, du coup, on a récupéré. Enfin, on a détruit la jarre où il y avait l'âme de. Je sais plus comment il s'appelle. Fana, ouais, Fana. Fanor, ouais. Fanor. Ouais. On est retourné le voir, il était mort. Et je me dis, Oui. est-ce que c'est pas parce qu'on a ouvert des mauvaises jarres qu'il est Non, mort? justement, en fait, il On a voulait qu'on libéré son libère son âme? esprit. Ouais, il Oui, voulait c'est qu'on ça. libère son âme. Il Ok, je n'arrivait me pas suis à posé la passer question. dans le monde des morts, en fait. D'accord. C'est ça. Non, je C'est m'en fous pas qu'on ait fait le quoi la connerie touche pour là-dessus. le. C'est quoi la touche pour les quêtes? L. 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 Ah, mais j'appuie sur tout, sauf sur L depuis tout à l'heure. Bah, on doit tous se faire tirer le collier, sauf. Ouais, mais on sait pas comment Sauf faire. Est-ce qu'on peut pas. faut qu'on soit chacun peut-être à tour champion Ouais, c'est ce Ouais, que mais je c'est pensais. chiant Bon, bah, après, c'est facile aussi. Enfin, ça. Enfin, oui, c'est après, vrai d'un que côté, je c'est pense pas. Je long. pense pas que ce soit obligatoire de se le retirer tout de suite. Parce que. Ouais. Je sais plus par rapport à quoi j'avais lu un truc. Et j'ai cru comprendre qu'en fait le collier, sauf exception, donc apparemment le fait qu'Henri était champion de l'arène l'a. À avancer à ce niveau-là, mais apparemment, tout le chapitre 1, en gros, tout l'acte 1, on a le collier accroché au cou, quoi. Bon, Ah, ok. ok. Et puis, de toute manière, là, t'as plus le collier, mais t'as pas pour autant tes points de source. Bah, je sais même pas comment on fait pour en avoir, en fait. Bah, à mon avis, ça te l'aurait indiqué, t'aurais eu un Bah, didacticiel ou dans ta quoi, barre donc. de pouvoir, tu vois. Ouais, j'ai juste mon sort et c'est écrit pas de points de source, mais je sais pas Ouais, comment voilà. récupérer des points de Ah, donc source. tu peux pas faire non plus appel Je à ton pense que c'est pouvoir de source. scripté, genre, tu peux te Par retirer. contre, À la limite, tu peux te mettre une amulette du coup, vu que t'as plus ton collier, que nous on peut pas. Ouais, Mais... bah, ah oui, Après, je pense qu'on a pareil, bah tous, la quête de mon histoire, notre quête personnelle. oui. Vous Ouais. ouais. Vous Oui. avez une quête qui s'appelle l'évasion de l'œil de la faucheuse? Oui, Oui. mais ça, je pense que c'est le truc où Canette il était parti trop loin et que ça avait déclenché. Mais c'est ça que je trouve bizarre, c'est que ça a déclenché ça alors que j'avais aucun moyen de descendre. Si, t'avais une échelle. Non, justement, j'étais retourné voir l'échelle, Ah. l'échelle, je pouvais rien en faire. Ah, mais C'était en. la quête-là, elle est liée à celle d'en dessous, le peuple de ça et là. C'est lié les Ah deux. bon? Ouais, mais Vous voyez ce que tu. c'est juste que ça considère qu'on est plus dans Forgeot alors Ouais. que. D'accord, ok. Bah ça c'est une fois Bon, qu'on ça m'a s'échappe. fait. Après, je savais pas que ça allait me faire cette quête. Enfin, ça, mais.
On a chacun notre quête perso. Maintenant que j'ai inventé le champion de l'arène et voir la forge jaune à ce moment. Ouais, d'accord. Ça moi, c'est très vague. Hein. Ça met. Ouais, essayer de trouver quelqu'un pour vous aider avec. Ah ouais, on a pas arrêté de lui parler à Nebora là, elle veut pas. On a fait 15 dialogues avec elle. C'est qui Nebora déjà? Elle est pas loin de nous là. On a plus grand chose à faire. Ouais, mais pour elle, je crois qu'il faut obligatoirement être champion d'arène, donc il y a que toi. Bah, on a une, deux. Bon, on verra plus tard. Hein. Trois. Peut-être ça se reportera plus tard. Hein. Donc effectivement, trouver l'entrée du complexe souterrain. Un voleur avait apparemment l'intention de piller une chambre souterraine proche, mais cela s'est mal terminé pour lui. Ça, je sais plus. Mais je sais pas où ça peut être non plus. Le geist meurtrier, ça c'est fini ça. Le geist de la plage est mort. En fait, on n'arrive pas à la conclusion, la geist. Elle nous croit pas. Bon, tant pis pour elle. Hein. Mais je crois que de toute façon, maintenant elle est morte, hein, parce que vu qu'on s'est fait repérer. C'est pareil, le téléporteur, j'ai pas envie de lui filer les gants à l'autre con. Ah bah non. Et toi, Kanet, tu veux garder l'objet ou tu veux le rendre à Fane comme lui? Bah, je me dis, on peut voir si ça débloque un truc, histoire de. C'est quoi déjà comme objet? C'est un découpe-visage. Toi, ça te sert à rien, ça nous sert à quelque chose à nous? Non, faut être mort-vivant, parce que les morts-vivants ont besoin d'avoir un visage quoi. Voilà, après, je peux l'utiliser en combat pour faire exploser le visage de quelqu'un. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je serais d'avis de le ramener à Fane. Ouais, moi aussi, honnêtement, non, je viens tout juste de le voir ça tout de suite, tu vois. Ouais, okay. On va voir. C'était une arme, donc moi j'étais parti là-dessus aussi. Ah, attendez, du coup, moi je l'ai juste ma quête personnelle, donc planifier l'assassinat d'Alexander. Alexander est trop bien protégé pour le moment, je vais devoir trouver le moyen de l'isoler. Ok. Voilà. Je sais pas vous. Moi, c'est, je suis censé parler à des gens, si jamais il y a quelqu'un qui saurait virer la présence dans ma tête. Mais pour l'instant, je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé. Et moi, c'est. Merde, j'ai mon truc là. Bon, on commence par aller voir Fanor du coup. Toi, c'était voir des nains aussi. T'as parlé à un nain, mais je sais plus si t'avais dit des trucs du coup. Bah là, on me dit. T'avais donné des nouvelles de ta sœur là. Bah j'ai un truc, c'est servez-vous de la clé pour vous enfuir dans l'arène. Un ami d'enfance, Carson, m'a remis une clé ouvrant d'une porte de la prison et laquelle. Ah oui, on n'était pas retourné dans les prisons. En même temps, des prisons, on dirait qu'il y en a partout, donc laquelle prison. Apparemment, ouais, j'ai une clé pour ouvrir la porte de la prison. On pourra peut-être y retourner. Alors j'ai fini de trouver quelqu'un qui vous aidera à vous enfuir, échapper au magistère. Mais c'est quoi mon truc Dena, moi c'est écrit où ça, mon histoire. C'est mon histoire. Bah j'ai pu parler à Dena, machin là. Bah t'as dû le faire. T'as eu une longue conversation avec le nain chanteur, je pense. Ouais, et puis avec le nain de l'arène aussi. Ouais, ah oui, voilà, c'est ça. Ils t'ont donné des nouvelles. Conduiront les conflits. Comment ça se passe, quoi. Et on avait fait quoi par rapport à. Aux limaces, là. Rien. On les avait. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire par rapport à elles? On devait passer, transmettre un message à quelqu'un, non? Bon, là, on l'a pas fait. C'est qui les avait maudits? C'est pas Rex aussi? C'est pas Barcus Rex? Ah si, il voulait qu'on transmette un message à Barcus Rex. Oui, comme ça c'était censé être sa femme, ou enfin qu'ils étaient censés l'épouser. Mais on devait quand même y retourner pour voir ce qu'il y avait au bout de la grotte qu'on n'avait pas exploré. Enfin, il me semblait. C'était une sortie. Ouais, une sortie qu'on n'avait pas explorée. Ouais. Ça amenait vers les marais, je sais pas quoi là, les marais ensanglantés. Ah oui, mais c'est par là que j'aimerais qu'on passe moi pour fuir personnellement. Et ben, allons rendre Fane d'abord et puis. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Zaleskar? Parce que j'ouvre ma map là, je regarde les drapeaux, vous savez où il y a les quêtes. Zaleskar, tout à droite de la map, je sais pas qui c'est, marqueur de quête. Attends, moi ça me parle. Ah tiens, alors oui, en effet, cette map, où ça, quel coin? Tout à droite. Zaleskar, moi si j'ai besoin, c'est pour ma quête perso. Ah, Zaleskar, c'est. Mais ça a l'air d'être dans les marais ça en fait. Oui, je pense. C'était le truc où, vous savez, on s'est battu avec des gardiens au-dessus du château, et il y avait une sorte de pont. Je sais plus. Oui, il y avait un paladin qu'on a aidé, ou je sais pas. Ah oui, ça, oui, le paladin, souviens, oui, le paladin, je me souviens. Et il y a un coffre aussi. On n'a pas été le long du port, là, justement, où on a rencontré le paladin. Il y a une porte, il y a un port, on n'a pas été là. Ah, t'as zoomé? Ah oui. Ah ouais, je me suis baladé un peu, je suis retourné où est-ce qu'on était déjà passé. Et il y a une porte, il y a un quai comme ça, là on n'a pas été. Je sais pas si tu auras du loot. Bon, je vois pas moi, mais ok.
Et après, ouais, ça, disons que c'est à l'ouest, au nord, par rapport à ce que je viens de vous dire là. Ouais, il y a un pont, et là, ça s'en va aussi. Je pense que ça, là, les marais. Ah, on peut mettre un marqueur. Ouais. Ah si, tu vois, Canette, là, j'ai zoomé sur la map, et par là où t'étais parti, il y a marqué échelle cassée, et ça met une icône de... Donc peut-être que tu peux faire quelque chose avec l'échelle. Ah ouais, je sais pas, j'ai mal zoomé. Ah oui, le pont, je m'en souviens, ça y est. Et voilà, il y a le pont, et à gauche, là, juste avant le pont, il y a une porte, il y a un quai. Un petit port comme ça. Il n'y a pas de port, moi, il n'y a pas d'eau. Ah, enfin, si, là, oui, ok. Tu vois, il y a des tonneaux, il y a des caisses et tout, donc je pense que là, c'est juste du loup. On n'est jamais allé ici? Non, on n'est pas allé. On s'était dit, attendez, on va pas trop s'éparpiller. Ouais, mais à mon avis, c'est on peut y aller, c'est pas en partant par les marécages et par le pont qu'on peut y accéder. Bah, je sais même pas si la porte, elle est. On peut l'ouvrir, en fait, de base. Donc... À mon avis, c'est plutôt à gauche, mais. Enfin, en passant par les marécages, mais. Par contre, moi, Zaleska, j'ai besoin de lui parler. Après, est-ce qu'il est considéré toujours dans ses tacs ou pas? Non, à mon avis, c'est dans le marais, hein. C'est après, hein, quand on fuira. Ouais, parce qu'il me dit bien dans le marais, donc je comprends pas pourquoi je le vois dans ses tacs. Je vais vérifier si la porte s'ouvre ou moi. Voilà. Donc, on est dans le vent. C'est toujours la map de Forgeois, quoi. Donc. Oui, mais non, parce que regarde, ça change au niveau du code couleur. Forgeois, c'est sablonneux et tout, machin, et après, c'est vert. Non, donc, je pense que ça. Il n'y a pas de map distincte entre les marais et Forgeois, c'est juste que les deux zones sont collées, en fait. Mais je pense que c'est les marais en fait, tout ce qui est en vert. Ok. Enfin, selon moi. On va voir Fane. Ouais. Ouais, c'est parti. Attends, c'est Henri, il est parti où du coup? T'es parti où toi? Non, j'ai pas pu y aller, justement, c'est hors d'atteinte, je suis pas assez proche pour le faire. D'accord, attendez. Attendez, je sais plus où c'est. Attendez-moi. Je retourne aussi sur mon personnage. Je suis par en haut. On est où? On est là. Ah, il faut qu'on se remette dans le RP aussi. Là. Ouais, ouais. Attendez, compagnons! Sébi, arrêtez-vous! D'accord. Les autres sont à la traîne. Attention, sinon je vais chanter. Est-ce qu'il y a des gens accroupis? Est-ce qu'il paraît? Donc on marche, non, pas, on marche pas vite. Rassurez-vous, faut... Quelle idée de marcher accroupi aussi. Aussi. Bon, c'est bon les amis, j'ai fait une erreur. Vous voudrez bien me la pardonner. C'est pas dit. On verra. J'y composerai une chanson à votre honneur. J'ai du talent, vous savez. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis, effectivement? Alors, je le montrerai un jour, je le montrerai. Alors, dialogue. Alors, attendez, Canette qui parle. Henri, interlocuteur masculin. Moi, je suis narrateur. Mais je suis Fane. Je sais plus quelle voix il a Fane. Encore vous? Ne voyez-vous donc pas que je suis occupé? Il soulève les paupières du cadavre pour jeter un œil en dessous. Pas être pire, ça pourrait être beaucoup mieux aussi. Ah bah je peux pas. T'as un truc d'inventaire, tu peux peut-être, il y a peut-être une option donnée à Fane ou quelque chose comme ça, non? Ouais, c'est quoi ce truc? Je sais pas, ça ouvre juste mon inventaire, mais c'est tout. C'est moitié curieux. Et tu peux pas cliquer sur l'objet en question? Tu peux pas lui donner. Non, c'était peut-être pas toi qui avais engagé le dialogue par rapport à ça? Je sais plus. Peut-être qu'il s'adresse que à la personne qui lui avait dit « Ah tiens, j'aurais des coupes visage. » Non, mais est-ce qu'il avait vraiment demandé quelque chose comme ça? Non, il en parlait qu'il en avait besoin d'un. C'est juste qu'on a loot l'objet, mais il nous l'a pas demandé. Non plus. C'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il va le vouloir ou pas? Si tu le lâches par terre, ça fait quoi? Bon, bah, je lui souhaite bonne chance et je m'en vais. Oui, tu peux me faire signe. Et par là, j'entends me héler d'une voix forte. Pas vous faufiler sournoisement derrière mon dos. Ah, tu vois, ce que là il s'adresse vraiment à toi, ce qui sait que t'es une fille. Ouais, j'avoue. Bon, bah, du coup. Je crois qu'on avait téléporté quelqu'un en bas, et je pense en fait que la grotte ici, ça devait peut-être la sortie du souterrain d'Elimas, non? Ah, je sais pas du tout. Peut-être. Ah, bah, quand on est là, en face, c'est le port que je vous parle en fait. Ouais, je vois. C'est ça le petit port qu'on a pas été. Vous voulez que je tape quelqu'un pour aller revérifier ce qu'il y a? J'ai pris quelqu'un au hasard. Non, mais de toute façon, je t'ai trouvé, moi. C'est qui? Ah bah, c'est parfait. It's me. C'est la tank. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je crois que c'est les escargots. Non, c'est prison, ça? Oui, c'est peut-être la prison. C'est la prison, oui, je suis dans la cellule avec Zilic. On va y parler d'un Carson qui m'a filé une clé pour les prisons. Bah reviens du coup. Alors comment je fais pour ressortir? Je sais plus. Par là où t'es rentré? Non.
Non, mais, sinon, ouais, je crois pas parce qu'elle tombe quelque part, non? Oui, je tombe quelque part de bizarre et je peux pas ressortir. Ouais, j'aurais dû save avant. Bah, c'est pas grave, je vais ressortir. Au pire, allez, salut. Alors attends, comment on ressort de là déjà? Putain, au pire, on peut recharger la save. Non, 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 mais après, je vais peut-être me faire fight par des gardiens en fait. Le truc. Ouais, ça serait con que tu sois toute seule, ouais. On n'est pas zigouillé tout le monde là-dedans? On sait jamais. Mais en fait, on peut tous se téléporter en bas, attends. Parce que ta téléportation, c'est tes gants qui te le. Oui, mais lui, il peut pas se téléporter tout seul. Oui, mais justement, on échange d'inventaire, tout simplement. Oui, mais. Ah bon, par exemple, je lui prends et puis je peux téléporter. Ouais, mais c'est du cheat, ça. Attends, mais je sors par la grande porte. Bah non, tu me balances les gants dans le zoo. Ouais, franchement, les moines silencieux, ils en ont rien à foutre de moi. Ah, mais oui, ils attaquent pas. Ouais. Ils sont dans le. Bon, bah, je suis de nouveau dans le fort. Putain, il est stylé ton arc, Canette. J'avais pas vu. On se rejoint où? Non plus. Ah oui, il est stylé. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a des prêtres là où on avait tout cliné dans la cour du fort. Vous me rejoignez? Bah ouais. Comme ça, on peut aller voir le port. On y va? Ouais, on va aller voir le port que je vous ai dit. Et puis. Ouais. Il faut aussi trouver des tonneaux et des caisses, donc je pense qu'il y aura que du loot. Faut trouver du coup le souterrain de Bracchus Rex, non? Ouais, il nous reste ça. Ouais, je sais pas comment on va faire, ça, j'ai aucune idée d'où c'est. Je sais même plus où c'est. Est-ce qu'on retournerait pas voir la statue? Non, ça sert à rien de retourner voir la statue de Bracchus Rex. Je pense pas. Je vous pingouchez, je sais pas si vous allez voir. Ah oui, ça nous aide. Moi, je vais voir. Ouais, je sais, y a personne. C'est le ghetto ici, wesh. On n'avait pas des juges à buter pour sauver quelqu'un? Oui, on pourrait éventuellement faire ça. Ah oui! Ouais, il y a ça aussi, il y a un jugement, ouais, on est passé discrètement, on a pillé les. On a pillé les. On y était retourné, il n'y avait plus personne. Bon. Ah ouais? Ouais, il n'y avait plus personne. Ah. Bah comment j'ai pu ne pas prendre tout ça, moi? Ah, il y avait des trucs. Enfin, il y avait un bonhomme qui avait pas été loot, il y avait plein de trucs dedans. D'ailleurs, attendez-nous, compagnons. Un parchemin de quoi? De restauration, je te l'envoie. Ouais, si tu veux. Je vais devant la porte, juste je vous attends. Non, je vous attends, je vais devant la porte. Alors attends, parce que du coup. Ça résonne. Ah, bah la porte là, est fermée. Là, c'est la dernière. Ah merde. Bon, elle a 3000 de vie. Mais on a une crocheteuse, non? Parmi nous. Ouais, alors. Non, mais là, je sais pas si ça se crochette, hein, ce truc. Hein. C'est gros quand même. Donc en effet, le pont bizarre, il était là-bas. Sinon, on la tape dessus, la porte. Hein, Mais non, mais je à mon avis, on peut y accéder. On passe dans une autre zone si on passe le pont. Comme je te dis, hein, pour moi, le port, en fait, il est accessible par les marais, en fait. Peut-être, ouais. Pour moi. Peut-être raison. Attends, bah, je vais essayer de crocheter, alors. Crocheter assez, là. Une grosse porte comme ça. Ça le fait. Ça passe. Eh oui. Ah bah ouais, bien joué. Au pire, on aurait pu défoncer là, pardon, avec 3100 points de vie. Ouais, 3000 points de vie. C'est un coup à casser nos armes. Laissons passer peut-être, on ne sait pas ce qu'il y a derrière là, laissons passer les. J'arrive. Les personnes habilitées au combat de près. Lina. Alors. Oh, c'est joli. Ah, c'est quoi cette petite musique? Ouais, sympa la musique, ouais. Ah, j'ai baissé le son, donc je sais. Ça me fait peur. Non, moi je trouve sympa. Porte de Forgeois. Ah, il y a un truc de craft. Non, non, non. Où tu vas? Ah, putain, moi aussi j'ai cliqué sur un truc. Je vois des points jaunes et rouges là-bas. Ah oui, il y a des magistères. Oh merde. Ah oui. Ouh là là, il y a des magistères là-bas. J'ai entendu le son de Super Loot. Ouais. Furtif! Je vais ramasser les merdes là, comme ça je vendrai au. Moi je fouille il y a des ennemis droit devant. Je fouille la forge pour l'instant. Il y aura peut-être moyen de bricoler des choses avec la forge aussi. C'est quoi la touche pour. C'est C. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas là? Ils ont l'air de garder le port. Mais après, vous souvenez-vous, dans la prison, on voyait aussi une sorte d'embarcadère intérieur. Mmh. Dans la prison où des gens parlaient. Les deux communiquent. Je ne me souviens plus. C'était pas au premier niveau de la prison où on arrive via les souterrains. C'est au deuxième, là où il y a les moines silencieux. Et au loin, on voyait des gars discuter, il me semble. Ouais, de port intérieur.
Après, j'ai envie de vous dire, on zigouille tous les magistères qu'on voit depuis un moment. C'est vrai. Petit point inventaire, juste comme ça. Qui a 11 en intelligence? Que j'ai jeté une petite casquette. Bah moi, j'ai 16 en intelligence. Parce que j'ai une petite casquette magique, 3 d'armure physique et 9 armure magique. Ah. Ouais, mon casque, je changerai pas. Moi, ça peut me plaire. Mais peut-être okay. Dark Claw aussi. Ah, ouais, mais ça va, moi, au niveau équipement. En plus, c'est pas trop RP, je trouve, mon casque, par rapport à... Ouais. Ah bah ça a l'air d'y ressembler. Plus un fripouille par contre, ok. Au fait, Ifan, on a pas une amulette maintenant que j'ai mon coup libre? Ah, si, c'est vrai. Y a pas une amulette dans votre j'en sac? J'en ai deux. J'en ai une, plus un géomancien et plus 8 armures magiques. Mm-hmm. Et j'en ai une, plus 9 armures magiques, plus 1 perception et plus 10% résistance au poison. Et je crois que c'est tout. Je crois pas en avoir d'autres. Géomancien va me filer un sort ou pas? Après, il y a Sébille qui en a une aussi. Mais je pense pas que ça te servira. Moi, ça pourrait me servir par contre, celle que Sébille a. De quoi? Attends, j'ai pas suivi, tu parles de quoi? L'amulette. On regarde si on a pas une amulette. Je peux pas. Bah, l'amulette, je t'avoue que je comptais l'équiper quand je me serais enlevé le collier, quoi. Ah bon? Avec de l'intelligence? Ah ouais, non, j'avais pas fait gaffe à l'intelligence. Oui, je pense qu'il vaut mieux qu'on échange. Attends, je t'envoie la mienne. Après, moi, j'en ai une, comme je dis, qui fait plus 1 géomancien et 8 armures magiques. Et ou alors... Si tu... Ouais. Si tu équipes géomancien, il te fait un sort avec ou pas? Je sais plus. Bah moi, j'ai déjà géomancien parce que je m'étais pris un sort de... Oui, mais il demandait justement pour ceux qui n'ont pas géomancien, je pense. Non, ça te fait pas de sort, du coup, faut les apprendre, les sorts. C'est dit, ouais, il faut les apprendre. Que du coup, moi j'ai un anneau qui m'a donné géomancien et qui m'a permis d'apprendre une compétence, mais il a fallu que j'apprenne. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai envie de dire, autant prendre celui-là qui est à 9, hein, le pendifié. Ouais, et perception et machin, vas-y. En plus, comme ça, perception et du poussant. Ouais, voilà. Et l'autre géomancien, je te l'envoie, Sébille. Enfin, Canette. Oui, merci. Et bah, du coup, Darklou, t'as rien, mais. J'ai aussi, par contre, des jambières de mage. De toute façon, pour l'instant, je peux encore l'équiper, donc bon. Ouais. Ça va. Jambière de mage. 2 armures physiques et 6 d'armure magique. Par contre, pas pour moi. Sauf si ça se vend, mais sinon. Moi je suis à 5-1 aux jambes. Mais j'ai déjà 47 de magie. Ouais, toi t'es monstrueux. Non, toi. C'est bon, ouais. Moi c'est bon au niveau de l'armure. Ouais. Et du coup, moi j'ai remplacé mon chapeau de magicien là, enfin casquette magique, j'ai équipé au lieu de mon chapeau de magicien. Mmh. 1 en physique, 4 en magique. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? C'est pareil, mon chapeau je garde, il me donne de l'invoque. Ouais, ouais. Peut-être moi, parce qu'en fait. En magique. Ouais. Moi ça peut m'intéresser. Ouais, bah file-le à Sébille, moi j'en ai un. J'ai déjà un coup chef. Que j'ai que l'armure physique. Par contre, est-ce qu'il faut de l'intelligence? Non. Ouais, non, l'autre tu me l'as filé parce qu'il fallait 11, celui-là ça va, il faut que 10. Par contre, je vais virer le skin parce que j'aime pas. Et du coup, Darkwood, toi ça t'intéresserait les jambes en 2 armures physiques, 6 armures magiques? Non, j'ai déjà un pantalon 11 physique, 3 magique, ça va. 11 ouais. Physique? Wesh. Ouais. 3% esquive. Faut que j'hésite à changer nice. Parce que. Je suis beaucoup en physique, mais j'ai rien en magique. Ouais, j'ai un peu baissé. Ouais, je vais plutôt prendre ça. Ok, bah moi sinon, pour inventaire, c'est bon. Est-ce que nous risquons... Ah, 3 nouvelles recettes. Ah, qu'est-ce donc? C'est pas moi. J'ai pris un marteau. C'est moi. Ça... Ah, j'ai pris un c'est marteau, moi, j'avais un livre pour de l'artisanat, apparemment. Ah, okay. Je l'avais pas vu. Tant mieux. Tu as trouvé un marteau qui pourrait être meilleur que celui que j'ai. Ah oui, c'est vrai que... Je sais pas ce que ça nous a donné comme recette, mais bon. Bon, que faisons-nous du coup? Que pensez-vous de... On défonce comme je dis, on les écoute, ce qu'ils racontent, et puis jusqu'à maintenant, on tue tous les magistères apparemment qu'on rencontre. Ça a l'air d'être un mélange de moines silencieux et de magistères. On les tue parce qu'on n'a pas vraiment le choix, en vérité. Bah si nous voir le passage, il faut qu'on se défende, on les tuera. Mais... Oui, si on veut explorer, ben on a... Après, on peut passer à côté, hein, je pense. Est-ce qu'on a vraiment quelque chose à aller chercher là-bas? Bah il y a des caisses et des tonneaux. Bah ouais, c'est plus pour le loot, quoi, donc après... Et peut-être qu'on peut s'échapper par la plage, je sais pas. Ça a l'air.
Comme vous voulez. Après, moi, comme je disais, enfin, je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi, il y avait une sortie qui me plaisait bien. Je sais plus, c'était dans... Le truc des... Je sais plus... Les sangsues pas c'est forcément plus les c'est sangsues. Là, on a trouvé une petite fille qui... Derrière la porte, derrière le, la grille, et qui on a dit de repartir ou je sais pas quoi. Ah, ah oui, c'était vraiment dans les souterrains, souterrains, ça. Et moi, j'aimais bien, j'aimais bien cette sortie. Elle me plaisait bien. Enfin, je sais pas vous, hein, mais... Moi, je serais d'avis quand même de voir ce qu'il y avait à l'autre bout des... Parce que je sais pas si c'était vraiment une sortie ou qu'il y avait les larves, là, les limaces. Oui, c'est vrai, il faudra peut-être qu'on y retourne là-bas aussi. Ouais. Vous voulez attaquer? Bah, je suis en bas, là, pour l'instant. Je loot, j'ai qu'est-ce que... Ils sont 5 en tout, apparemment. Il y a une petite zone rouge quand même en bas, mais je l'évite, évidemment. Et je regarde les caisses que je peux regarder. Nous, il faudrait peut-être combien qu'on reste en hauteur avec ces billes. De toute manière, c'est pas moi qui vais attaquer, donc... Ah, mais il y en a d'autres, là. Oui, sur le là. Pont, oui. C'est ce que je dis, il y en a 5. Oui, oui, ah, oui, vraiment sur l'embarcadère, ouais. Il y a un chevalier ici. C'est eux qui pourraient me voir si je bouge par là. Ouais. À vous de gérer les... Les corps à corps. Parce que après, si... on a... Enfin, oui, c'est plus pour le loot, au final, qu'on veut les attaquer, quoi. Ouais, bah pour l'instant, il y a que du caca dans le loot, là, c'est ce que j'ai. Mais... Parce que sinon, autant qu'on les attaque pas et qu'on reparte en... En arrière. Petit mini de l'autre côté, quoi. Enfin, après... Oh, hein, petite ceinture. Alors, 7 d'armure et un persévérant. Je sais même pas ce que c'est, persévérant. Ah bah, c'est la même que moi. Le persévérant, c'est quoi? 7 d'armure, de quoi, du coup? La physique, pardon. Moi, ça peut m'intéresser, mais s'il y en a d'autres... Moi, non. J'ai déjà... Non, je me fais une armure qui me donne de la mémoire, ouais. Non, je l'envoie. Moi, j'ai une ceinture. T'as mieux, Darklou? Moi, j'ai une ceinture 5 physique plus 1 télékinésie. Tenez, Ifan, mon pantalon, elle arrêtera de tomber. Bon, j'avais déjà une ceinture, hein, mais... Ah, bon... Rassurez-vous. Allez, moi, mais je fais le nain discret depuis tout à l'heure. Là. C'est quoi, persévérant? Ah, c'est un... Ah, c'est bien, ça, c'est un... Un talent, genre? Non, persévérant. Oui, peut-être. Oh, il y a un coffre. Une capacité de combat en défense. D'ailleurs, comment j'en ai deux, moi? Châtiment et persévérant aussi. J'ai pris un coffre dans mon inventaire, je vous le ramène. Comme je suis en train de faire le fufu. Il était fermé à clé, donc je... Oula, tu vas te faire griller, toi? Non, non, je suis vraiment dans... C'est pas dans les zones, hein. Je respecte c'est les limites. Par contre, j'ai pris un tonneau doux. Ouais. Ah, bah ça, les tonneaux, ouais. Je suis vraiment encore fufu. Hein. Je suis le ninja, si tu veux. Je sais, je vois. Mais. Jusqu'où? Il y a un magistère juste devant toi, là. Ah, je sais, j'essaie de faire vite avant qu'il se retourne. Pas qu'il se retourne, bah, ouais. Bah, je reviens vers vous. On repart en arrière. Je suis est-ce le nain ninja. Comme vous voulez. Est-ce qu'on va voir Zaleskar? Ou alors maintenant ça nous fait partir dans une autre zone? Mon perso je viens vers vous avec un tonneau sur le. Un coffre sur l'épaule. J'ai trouvé ça. Ah oui, t'as pris le coffre, ouais, ok. C'est bien. Il est verrouillé, ouais. C'est bien. J'ai trouvé ça là-bas par terre pendant que vous discutez. Alors. oui, je sais qu'il est verrouillé. Crochetez la serrure. Je trouvais de l'argent aussi, je trouvais du des marteaux, je vous envoie à la vente. Alors, qu'y a-t-il dans ce coffre? Un couteau de cuisine et un parchemin de restauration. D'accord. Ça valait le coup, un parchemin de restauration, c'est... Restauration, c'est... ouais, j'en ai 4 des parchemins, quoi. Ouais, j'en ai 5 sur moi déjà, on est bien, on peut mourir, on a ce qu'il faut. Ah non, non, moi je parle... Non, c'est pas résurrection, oui, c'est restauration. C'est différent. Ah pardon, ok, d'accord, je vous prie. Donc c'est du soin. C'est du et soin. Et l'autre, ouais. c'est un couteau de cuisine, bah, je le donne à Yfan pour la vente, je pense. Oui. Ok. Bon, on va voir les limaces du coup. Par où. Ouais. Ouais, il nous reste. Donc, récapitulons, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on va faire avant de partir? Donc, explorer la zone avec les limaces. Et est-ce qu'on essaie de voir là où il y avait le jugement? Ouais, et puis la quête du Brachus Rex. Oui, voilà, le souterrain de Brachus Rex, peut-être à trouver. Je n'ai aucune idée d'où ça peut se trouver. Et moi, vous, Fauve, vous n'avez pas donc. Une prison, une clé de prison à voir à laquelle elle ouvre, je sais pas. Ouais, un certain Carson m'a donné une clé, c'est une clé des prisons, mais je ne sais pas bien si on a vraiment des prisons encore, qui sont encore verrouillées. D'ailleurs, c'est juste. C'est pas juste là qu'il y avait.
Est-ce qu'on avait emprunté tous les escaliers dans les souterrains où il y avait les prêtres muets là? Je suis pas sûr. Hein. Je vais pas dire, mais il y a toujours les juges et tout ça. On se les fait ou pas? Justement, c'était moi. Ouais, je me demandais. Ah oui, c'est ici. C'est hein. Où? C'est là-bas? Ouais. Ouais, bah écoute. Est-ce qu'on va écouter ce qui se dit peut-être? Peut-être. Moi j'ai envie de sauver la madame. Prisonnière elfe. Ouais. Oh, c'est pour ça que vous voulez sauver la madame. C'est une de vos consoeurs. Tout à fait. Bah écoute, moi je suis ok, mais. Attendez. Oule de la pénitence. Nous avons magistère épéiste. Je veux juste voir qui sont les personnages. Ah oui, est-ce qu'on fait j'allais dire le tour, mais au final. Bah il va se défendre, je pense, le mec qui est en train de juger. Il a une arme dans le dos, donc il va se défendre. Derrière lui, il y a deux personnes. Ce n'est pas Alexandar, c'est grand juge. Derrière lui, il y a deux mages, par contre. Ce serait peut-être bien qu'on aille sur les côtés aussi, qu'on s'organise. Peut-être mieux qu'on les rush eux. Sachant. Ouais, parce que les épées, il va falloir qu'ils remontent les escaliers. Après, j'espère qu'ils vont pas buter la prisonnière elfe. Ou alors, on peut faire le contraire, c'est-à-dire qu'on bute d'abord les épées, et eux, il va falloir qu'ils fassent le tour pour venir. Ils ont la hauteur, c'est des magiciens, ils pourront tirer à distance, je pense. Après, mais ils peuvent pas se tirer à travers les grillages, si. Ah non, si j'avais pas. Là où je suis, ils peuvent, là. Ok, ouais. Moi, je peux rester là et essayer de débloquer avec ma créature, un des deux. Ouais, et. Le problème, c'est essayer de tuer l'elfe. Si on n'est pas. Je serais pas loin, moi. Moi, je peux rester là avec ma créature. Alors, je fais le tour par la gauche. Je me mets ici, tu vois, ma créature, je l'invoque en bas. Ah, par la droite, c'est mieux. Ah. Ou alors, il faut que moi je fasse tout le tour pour venir te rejoindre. Non, j'arrive. Moi j'arrive côté. Parce que on est en hauteur là, on est en hauteur, on est à la fois. Ah merde! Quelqu'un t'a vu? C'est qui t'a vu? Ah merde! Dialogue. Ah oui, j'ai pas vu le dialogue. Pourtant, j'étais en caillou. Je suis peut-être juste trop approché du bord. C'est moi. Qu'est-ce que ceci? Garde, les prisonniers n'ont rien à faire ici! Votre honneur, j'implore votre clémence. Il a dû échapper à son gardien. Vous, mais qui vous a permis de sortir de votre cellule? Allez, par ici. On vous jugera quand ce sera votre tour. Ah bah c'est bien, on peut discuter. Ça tombe bien que c'est toi. Moi j'aurais fait bagarre. J'aime bien la 3, elle est marrante. Ouais. Mais que se passe-t-il ici? De quoi cette femme est-elle accusée? Ouais, bah, Allez, ça m'étonne pas, ouais. Bon, ma bagarre. Ne nous précipitons pas. Il faut que tout le monde comprenne bien ce que nous voulons faire. Dites-moi, qu'espériez-vous en interrompant cette séance? Frère, ne leur répondez pas. Vous devez vous enfuir. Fuyez! Ah, t'as soldat, toi? Ouais. Alors, attends. Cliquez les yeux et dire que vous ne permettrez pas que cette parole aussi se poursuive. Je voulais savoir ce qui se passait. J'adore la gueule. Passer juste à côté, là. Excusez-moi, j'ai visité. C'est parce que j'ai envie de quitter le fort. Ouais. C'est quoi des frocards de... Enfin, il désigne qui? Je désigne qui en disant frocards de bas étage et des soudards? C'est la prisonnière que je suis? Non, justement, je pense que tu parles des magistères. Vous n'allez jamais à des froqueurs, à des bas étages, il y a des soudeurs. Bagarre. Non mais je sais pas ce que je dis, soit la 2, soit la 3. La 3 je pense. Moi la 3, je suis plus sur la 3. Mais je suis curieux de mettre la 4, voir s'il répond, parce que j'ai envie de savoir quelle est la situation, tu vois. Tu peux toujours essayer, hein. C'est vrai que j'hésite aussi avec la 4. Après, c'est on va essayer, on tente, de toute manière on va se battre, donc... On va essayer le dialogue jusqu'au bout. La nonchalance. Vous voilà donc. Dites-moi, que raconte-t-on au camp sur notre remède, notre purge? Tu vois, on peut discuter comme ça. Apparemment, il essaie de nous faire croire qu'on est manipulé. C'était quoi ça, ouais, ce qu'ils essayaient de faire? Je sais plus. Ils essayaient de nous enlever la source, non? Un truc comme ça. Ouais, d'éradiquer tous ceux qui possèdent de la source en eux, les ensources. Nous guérir de la source. Parce que d'ailleurs, c'est à cause des ensourceleurs qu'il y a des créatures maléfiques qui viennent, non? Elles sont attirées par le pouvoir de la source, non? C'est ça. L'utilisation de la source fait venir des créatures. Dire que vous avez vu Dalice assassiner une magistère. C'est ça, ouais, je peux dire ça dans la 2 plutôt, non?
Ah, Dali, c'est l'autre qui a tué la lézard, c'est ça? Ouais, le marteau. Ouais, la lézard. Pour essayer de leur mettre le nez dans leur merde, quoi, non? Un peu. Ouais. Vas-y, nez dans le caca. En même temps, nous, on est hypocrites parce qu'on a tué plein de magistères. Ouais, c'est normal, ils veulent tuer nous. Ça fait quelques jours qu'on fait le ménage. Nous avons... Enfin, pardon, j'ai dit nous, non. J'ai vu Dali s'assassiner... Parce que vous êtes pas encore révélé, donc je parle... On est caché, nous. J'ai vu Dali s'assassiner le magistère. Est-ce donc là ce fameux remède? Le meurtre? Les magistères ne sont pas des ensorceleurs. Notre remède est moins sordide, il est, disons, plus intéressant. Voulez-vous que je vous fasse une petite démonstration? C'était quelque chose d'assez courant à l'époque de Bracchus Rex, mais la technologie a peu servi depuis. Heureusement pour nous, Dali a su la faire renaître de ses cendres pour notre salut à tous. Non, je décline la propre. Non, je refuse. Bon, écoutez, il vaut quand même mieux avoir une idée de ce qui nous attend que de foncer tête baissée sans savoir où on va, n'est-ce pas? Je vais vous montrer. Ouais, bon, ok, combat. Il va tuer l'elfe, là? Ah non. Madame, c'est celui de vous. Non, il va tuer l'elfe! Faut que j'intervienne! Vite! Vite! C'est celui de vous. Attends. Est-ce qu'on intervient ou pas? Est-ce qu'on peut taper les gens pendant que quelqu'un parle? C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'on essaie de nous intervenir? Ah, du coup, t'as lu le dialogue, Kenneth? J'ai pas entendu. Ouais, j'ai lu. J'ai envie de l'attaquer, le gars, avant qu'il fasse quelque chose. Attends, elle va peut-être répondre avant, attendez, parce que j'essaie de régler le son, moi. Attends, je me place un peu mieux, genre, on va voir. Oui, il fait quelque chose. Il fait quelque chose, ouais. Fuck. Ah, trop tard. Il a tout renversé, elle a toujours toute sa vie. Bon, attends, je pense qu'il l'aurait fait. Elle est étourdie, hein, elle est pas morte, hein. Non, elle est pas morte, elle a toujours toute sa vie. Ouais, mais je pense qu'il l'aurait fait, même si on n'avait pas intervenu. Attends, bon, du coup, il y a le dialogue de l'elfe, du coup. Ah, pardon. Non, espèce de brute. Bon, monstre, pitié, non. Bref. Oh merde, elle a une gueule bizarre. Ah bah, elle est devenue à moins de silencieux, donc un ennemi. What? Non, pas ennemi, mais... Elle est en rouge. Elle est en légumes, quoi. Elle est devenue... Ouais, oui, bah, elle est en rouge parce que c'est devenu à moins de silencieux. Oh non. What? C'était ça, silencieux. C'est-à-dire que les moines silencieux, voilà, c'est des ensourceleurs qui ont été... Et au moins, on apprend des choses. Ça a été lobotomisé. Dialogue encore, du coup, ouais. C'est la perfection, même. Reculer d'horreur, que lui ont-ils fait? Moi, bon, je fais un jet de force mentale pour pas péter un câble. Ouais. Ah ouais, mais je vais défoncer, là. Ah, j'aime trop la 3. Enfin, la phrase est énorme. C'est clair. C'est badass. Vous avez maintenant le prétexte idéal pour le fendre en deux jusqu'au nombril. Parfait. Bah du coup, vu que j'ai vu les moines, Ah ouais, c'est logique. Un sentiment de compréhension m'envahit. Je réalise que les créatures que j'ai rencontrées dans le fort sont des gens comme moi. Comme nous, des ensorceleurs à qui l'on a administré le fameux remède. Je regarde le haut magistère avec dégoût. J'imagine que c'est difficile à comprendre pour vous. Personnellement, je ne m'en remettrai pas au destin, mais voyez-vous. Si on vous laisse partir librement, vous et les vôtres, les Anians vous nous détruiront tous. Cette elfe a sacrifié la source qu'elle avait en elle. Certains diront qu'elle a perdu sa flamme de vie, mais elle l'a fait en notre nom à tous. C'est une véritable héroïne. Oh, tu mets la 3, sinon je te tape. Ouais, non, moi aussi, c'est pareil. Ce n'est pas une héroïne que vous avez créée, mais une abomination. J'aurais préféré que vous compreniez mon point de vue, vous savez. Cela aurait rendu votre transformation d'autant plus enrichissante, pour vous comme pour nous. L'ordre divin n'a pas besoin que vous compreniez tout cela, seulement que vous l'acceptiez. C'est à votre tour de vous repentir. Je me réjouis de votre présence aujourd'hui. Même si vous ne pouvez l'admettre vous-même, peut-être réalisez-vous à quel point vous êtes indispensable à notre salut. Ah là, je jette un petit regard derrière mon épaule, à gauche, à droite, je dis « les gars ». Oh bah, moi j'y vais, hein, tiens. Attendez, on va voir le dialogue quand même. Moi ouais, je rejoins vite. Ouais bah c'est bon, combat. Ah bah bagarre. Moi je suis pas en combat. Qui est en combat? Moi non pas. Ouais, non, je suis pas non plus... Par contre, je peux pas. C'est mon tour en premier. Tu peux nous dire l'initiative, c'est qui les ennemis en premier?
Moi premier, ensuite grand juge, magistère cryomancien, magistère pyromancien, magistère épée. Ah, les mages ils vont jouer en premier. Est-ce que je viens vous assister en haut ou je vais en bas? Allez en haut si vous pouvez attaquer les mages, ils vont jouer en premier. Par contre, moi je peux pas attaquer les mages actuellement sans me faire découvrir quoi. De toute façon, il va falloir. Ah, si, je peux faire le tour. Je peux faire le tour vu qu'il regarde dans la direction. Je prends juste quelques secondes. Hello Saskia. J'espère que tu vas bien. Attends, je fais le tour moi. Peut-être qu'il faut aller par la gauche, ouais. Du coup, l'élève elle est devenue ennemie donc il y a 3 ennemis en haut. Ah, j'aurais tellement voulu la sauver, la pauvre. Ah, on aurait dû intervenir pendant le dialogue comme on voulait. Ouais, je pense pas que ça. Mais je sais pas si on l'aurait sauvé. Hein. Je sais pas. Je pense pas que ça interviendrait aussi vite. Ça va et vous? Ça va. Bon, par contre, ce jeu. Alors, sachez-le, les gens sur le chat, ce jeu est très compliqué pour interagir avec le chat. Hein. Pour dialoguer, c'est pas l'idéal. Je vous le dis. Alors, les épéistes, ils ont que 37 de magie. Ça, toujours là, Itsuki. C'est sympa. Bon, qu'est-ce que je fais du coup? Vous êtes de l'autre côté, mais ils vont me focus. Moi je suis tout seul. On pouvait pas les attaquer. On arrive par la gauche. On va gagner au moins. J'arrive au cac par la gauche. Moi je suis là tout seul. Moi. Mais là c'est un peu cheaté parce que c'est comme si je frisais le temps et puis bah, vous arrivez. Bon après c'est pas grave. Ouais. Mais bon. Moi je suis prêt à taper. Ouais, je peux invoquer gratuitement ma créature. Moi je sais pas trop quoi faire là honnêtement. Enfin quoi est-ce que tu vas taper les gens en haut ou en bas? En même temps, t'as du range non? Ouais mais je sais pas si je pourrais toucher ceux qui sont en haut. Et j'ai deux obstacles, je peux toucher celui qui est juste devant moi là mais. Bah ouais, aide le fauve. Ouais parce que moi je vais être 3 ils vont venir sur ma gueule. Le truc c'est que ouais je peux lui baisser son armure magique mais je peux pas l'éclater quoi. Moi j'attaque quand? C'est gratuit, c'est on voulez, attaque. Ou, hein. Ouais, bah, je peux attaquer avec un ricochet, ils sont tous les trois, ça va être nickel. Ouais, tu devrais. Vas-y, fais-le avant moi, fais-le avant que je me mette. J'ai encore un sort à utiliser moi. Bah attends, je le fais tout de suite moi. Fais-le. Tu fais ton ricochet gratuitement, c'est bien ça. Ah ah, oui, je vous mets en son de fond en tentant de me mettre au bullet journal pour de vrai cette fois. Ah nice. Ok. Ah par contre, ça a touché un seul mage. Bah ça a touché un mage. Ça va être la bataille là. Mm-hmm. Moi je vais peut-être faire la totale sur le gars par derrière là. Qui est devant moi. Oui. Je vais faire la totale. Coup de froid pendant deux tours. Si je mets. Là t'as quelque chose pour invoquer une créature en. Henri, ou si je mets une pluie là, ça te sert à quelque chose? Bah ouais, parce que là c'est que de la pierre. Ça sera pierre, ça sera physique, donc c'est mieux que ce soit magique. Je te fous une pluie? Ouais, je fais en eau comme ça. Et j'aurai. Ah, comme ça j'aurai un sort de soin avec lui. Ouais, en plus t'auras d'huile. Ah, poulet. Ouais. Une petite pluie. Fais régner la pluie. Encouragement, je suis pas sûr de toucher grand monde. T'as éteint tous les bras à zéro. Donc je vais pas le faire. Est-ce que je m'écarte? Ou je garde mon point? Je garde mon point. De toute façon, pour t'atteindre. De toute façon, les mages vont devoir se déplacer pour t'avoir. Oula, t'es sûr? Oh le bâtard. C'est quoi ça? Oh, il a fait quoi? Il s'est TP? Oh le bâtard. TP plus la totale. Oh putain, et lui, il fait quoi lui? C'est TP aussi? Armure de vieux sur son allié, putain. Oulala. Allez, c'est parti, j'entends combien avec la créature. Ils sont chauds les mages là. J'arrive. Ils sont déterminés les mages. Ça y est, c'est la guerre là. Ça chie dans tous les sens. Oh putain. What, il a combien de points de vie? What? Attends, j'ai cru voir un truc là. De quoi? Ma créature elle est en train de prendre la grosse. J'ai pris cher moi. Par contre, il met chemin bloqué. Pourquoi chemin bloqué? Ah, il a pas mal d'armure. Hein. Je bosse sur ma couverture, on vous écoute. Nice. Par contre, qu'est-ce que je tente? Ah, il a plus d'armure physique. Je vais aller le taper. Voilà, je l'ai renversé. Canette. Ouais, c'est celui que tu m'as donné. Putain, c'est trop stylé ce que ça fait sur toi. Moi, c'était dommage. C'est quoi? Ah, ça fait des trucs. Allez, boum, la totale.
Ouais. Et j'ai renversé le magistère, donc... Ouais, je l'ai atteint quand j'étais... Par contre, moi, je suis toujours à côté de... ton. Oui, j'arrive. Joe le costaud, là, donc... J'arrive. Il va me faire casser la gueule. J'aime prendre des attaques d'opportunité, mais... J'arrive pour tanker. C'est con, je peux rendre de l'armure magique, mais pas physique. Après, au pire, tu peux rendre de l'armure magique à l'ose. Ouais. Faut qu'elle vienne vers moi. Ouais, pardon. Ouais, j'arrive. Moi, je sais pas vers où je vais aller. Peut-être que je prenne ma potion d'armure physique. On peut dépasser son total en plus avec une potion, je sais plus. Non, je pense pas. Dépasser son total ? Non, je pense pas. Ah ouais, d'accord. Faudra que je la prenne quand j'aurai perdu. Ouais, non, ça sert à rien. Ok, j'attends. Alors, que vous le sachiez, ma créature pourra rendre 29 points de vie. Comme ça, je pense pouvoir arriver plus vite vers toi, Pizzy, je peux mettre mes ailes, je pense. Comme tu le sens, ouais. Mmh. Ou alors, s'ils sont paquets, t'as peut-être un renversement à faire sur le. Ah oui, mais non, ça pénètre pas l'armure. Oh, ma créature est trop stylée. C'est vrai qu'il y en a deux devant moi, mais il y en a déjà un qui est renversé, faudra voir. Ou alors, je me débrouille, j'essaie de le gérer l'autre. Moi je peux tuer le pyromancien au pire, ce tour là, ça fera toujours un au moins, bon ça me fait chier ce qu'il est renversé mais... Lequel ? Ah bah oui mais vas-y profites-en hein. Le problème en fait Darkus si tu viens vers moi c'est que tu vas juste venir mais tu vas rien faire donc à la limite essaye peut-être de taper. Oh nice, tu l'as éclaté lui. Ouais. Oula. Ouh. Bon, après je pense pas qu'elle va faire très mal elle. Ah c'est à moi. Est-ce que par exemple je peux téléporter ce con là et je vous le remets là où vous êtes? Non, je... Ouais je peux. Tu peux, ouais tu peux. Ouais mec. Non mais ouais mais après vous allez avoir trop de mecs sur vous là, je l'envoie où ce con? Ah en bas sinon, par terre. En bas? Ouais en bas. Mais toi, le grand juge. Ouais. Ouais. Ouais tu le balances en bas. Ouais tu le balances hors de ta portée, enfin loin de toi. Parce que j'imagine qu'il a un cooldown sur son TP donc il va devoir monter pour les escaliers. Ouais. Il va faire du temps tu vois. À moins qu'il aille sur ma créature, toi. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas pas être submergé, toi, Henri, avec ta créature et face au grand. Là. Bah, moi je suis safe encore. La créature, elle a pris l'aggro. Je crois que je vais le foutre dans l'eau et je vais faire un truc de foudre sur la flotte. Ou si t'as de la glace, tu pourrais peut-être éventuellement le congeler pour le contrôler. Ah oui, le problème c'est qu'il a de l'armure magique. Donc... Ouais, donc ça va pas marcher, je suis bête. Ou qu'il glisse, ou qu'il glisse sur la glace. Il peut glisser sur la glace s'il se déplace. Ah oui, c'est vrai. Par contre, moi je vais loot son marteau. Hein. Ah ouais, il est classe. Hein. Il est classe. Un rameur de ouf qu'il a, il ressent trop. C'est clair. Il donne peut-être plutôt de la magie que... vu que c'est un magicien, je sais pas. Peut-être. Son marteau de ouf. Coup de froid, effet gel. Le sang et surface d'eau, ouais. Et ça, les gars, on fait du grenouille, fait 11 dégâts d'eau. Je vais faire ça. Putain, c'est une grosse zone, il y a pas assez de mecs dedans, du coup, c'est con. Ah mais c'est plus grand-chose. Allez vas-y, je vais jouer là-dessus. Faut essayer de le calmer. T'as bien défendu ça. Ouais, s'il se déplace à pied, normalement il a des risques plus, de tomber. Moi je vais me cacher, moi. Hop. Physique. Ouais, t'as raison. Ouais, vas-y. Ah, il a plein. Qu'est-ce qu'il fait? Encouragement, le salon. Oh, il se défonce là, elle a pas d'armure physique. Ah bah je vais lui... Alors qu'est-ce qu'il fait plus de dégâts? 22-25. Coup de tentacule 27-29. Ah, je crois faire. Je vais faire le coup de tentacule, je pense. Et. Je vais peut-être regagner de la vie. Ou alors. Ah, t'es full life là. Ouais, t'es quasi full. Ouais. Tape. Qu'est-ce que je fais ? Parce que j'ai aussi chaîne de douleur. Marque une cible de façon à ce qu'elle subisse tous les dégâts qui vous sont infligés. Ah oui. Tu peux essayer de le faire. La portée, c'est quoi? 13 mètres. Je vais peut-être le faire sur le magistère cryomancien qui est encore debout. Ouais. Ouais parce que la moine, elle va mourir plus vite, je pense. Ouais. De toute façon, moi je le renverse prochain tour, le magistère cryomancien s'il bouge pas. Ah merde, je suis trompé de touche, je suis trop con. Elle a fait une potion d'armure magique là. Oui, t'as gagné de l'armure. Ouais, t'as. C'est une connerie à mochi. Oui, ça va encore, il y a pire. Voilà, oh, c'est stylé ça. Ah, bloqué par la physique. Ah oui, merde, on oublie ces trucs là.
Et t'as éclaté ton armure magique, bah t'as bien fait de la remettre parce que t'aurais pris cher, je pense. Non, j'ai pris l'armure magique. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais pour l'instant, ouais, j'ai pas encore pris de dégâts niveau santé. C'est bizarre qu'il ait fait qu'un coup de bâton, lui, là. Ça coûte que 2 points d'action. Au final, s'il bouge pas, lui, là, c'est cool. Il a plus une armure physique, le grand juge. Ah, moi, c'est l'armure magique qu'il faudrait lui enlever. Je vais balancer un petit truc. T'as pas d'obstacle, là, fais gaffe. Y a pas marqué. Je suis bloqué, ouais, faut que je bouge. Ah, mais je pense que c'est cool. Faut que je fasse autre chose. Ouais. Je peux pas faire autre chose. Ah, bah, j'ai bougé. Ah, t'es lenteur. Alors, Coupine, la créature, est-ce que tu peux le taper? Tu tapes en magique. Tu tapes en magique, et sinon, tourbillon me fait 27, 29 dégâts pour combattre sur mon attaque. Elle a encore pas mal de PV, la moine silencieuse. Bon, on va trouver une juste. Ouais, mais elle a pas d'armure physique. Ouh, je l'ai mis cher! Ouais, j'avoue. Oh. J'ai toujours mon sort de soin. La vache. Ouais, pour l'instant, ça va. Créature à rester là. Je regrette quand même vachement. Ah, il vient me chercher lui. Allons peut-être toi. Allons peut-être toi. Même pas mal. Je regrette quand même qu'on puisse pas passer la difficulté en tactique. J'aurais beaucoup aimé monter la difficulté. Alors. Ah, t'as de la glace devant tes pieds toi. Ah purée, je peux pas toucher la magistère. Oh, je suis dégoûté. Bah, au pire, focus la moine. Hein, non faut une flèche à la moine, monsieur. Ouais, parce qu'elle arrête pas à m'attaquer. Elle a plus d'armure, enfin, elle a pas d'armure physique. Merde. Oh, j'étais esquive. Mais... pas de côté. Oh mon dieu. Ah purée. C'est un petit peu de côté. Allez, ça passe là. Oh là. Oh non. What the fuck. Qu'est-ce que fait? Elle évite la glace. Qu'est-ce que fait? Ouais, ça marche. Yeah, bon, c'est con, j'ai utilisé un point d'action. Je lui ai mis l'atrophie, je sais plus ce que ça lui fait, mais. D'accord. Ah, je suis dégoûté. Putain, j'avoue, 2 flèches d'affilée. En plus, c'était des flèches renversantes. Oh plus, non. J'ai poussé 2 consommables. Il a pas coup de froid, ce con, hein? Toujours pas? Non, il s'était bloqué par. Mais on va... Il avait beaucoup d'armure. Ah, putain, ouais, si je leur mets un truc de glace, vas-y, je tente. Mais non. Oula, ah, nice. Oh, tu l'as congelé. Allez, ah puis... non, je pensais. Alors, je pensais aussi. What do I do? Bah, je vais taper, hein. La cryo, elle a que 21 d'armure de physique. Ouais, moi je dis focus la cryo parce que si elle nous contrôle en glaçon, elle va devenir très propre. J'ai. En plus, cryo ça implique aussi du soin, logiquement. Ouais, bah, comment ça? Parce que cryo, c'est pas que de la glace, c'est de l'eau, donc. Tout est fait. Je vais aller faire la tentative. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça à la rigueur. Je sais pas si c'est. Les Dark Lou en action. La totale. Dommage pour les gens du chat, pour le moment, vous avez pas vu les sorts trop stylés de Dark Lou, quoi. Elle peut ressembler à une Valkyrie, avoir des ailes qui poussent dans le dos, quoi. Trop stylé. Et des cornes de taureau. Ah bah là, oh, il guérit. Ouais. Il a rendu de la vie. Oh, par derrière. Mais ça lui renvoie des dégâts, Moi, je vais bloquer le mec à épée qui va venir me faire chier, là. Ou alors je tape celui qui en veut. Ça, c'est le perso de Henri. Un nain, invocateur, et nécromancien, c'est ça? Ouais. Des trucs bizarres, lui. Il est pas là. Ah, mais. Ouais. Il fait de l'électricité aussi. L'élémentaire. Ça dépend, en vrai. Ça, c'est le sort que ça envoie de l'élément aléatoire à chaque fois, non? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais quoi, mec, je vais te balancer une grenade de ton pétard dans ta gueule, non? Moi ça fait que 10-12 dégâts. Tu viens de faire le V de bouclier? Non, j'ai pas fait le bouclier parce que j'ai pas encore assez perdu de d'armes. Bah ouais. Oui, c'est vrai. Et je peux rien faire d'autre à distance. D'ailleurs, je vous ai pas montré ça, c'est la petite créature du perso d'Henri, ça. Ouais, là elle est surboostée, c'est pour ça qu'elle a des éclairs. Ouais. Et elle est en eau parce que j'ai invoqué une pluie avant et en fait il fait pop la créature de l'élément sur le sol là où il est. C'est quoi, j'ai quand même à faire Molotov. Ouais, je vois. Il a pas plus grand chose. Oh, il est pas content. Il se casse. Ouais. Comment faire peur à un PJ? J'ai dit grenade à la gueule. Par exemple, la créature d'Henri aurait pu être une créature de sang s'il l'invoquait sur une flaque de sang. Ouais.
J'explique. À chaque fois que j'invoque sur une zone, elle chope des sorts pillés à la zone. Du coup, là j'ai un sort de soin. Ouais, l'eau soigne dans le jeu. Pour l'instant, elle met des patates. Je vais faire des grosses patates aussi. Ça m'étonnerait. Quoique. Oh non, je vais ensuite. Ah, je peux le finir, moi, au prochain tour. Ok, et bah, je ferai un d'autre. Moi, je vais continuer à le bloquer. Quoique. En plus, il s'en fout. Ah, l'attaque d'opportunité. Ah, c'est cool ça. Il a pris le heal juste avant quand même. Genre, je peux pas l'utiliser, mon masque, cible non valide. Moi, je suis dégoûté. Ah, ton masque. Ah, merde. Et tu peux pas l'utiliser sur l'elfe à côté. Non, c'est trop loin. Par contre, j'ai que 76% de chance de la toucher alors que je suis à côté, je suis devant elle. Peut-être qu'elle a de l'adresse, la descrive de ouf. Ouais. Mais. Justement, peut-être la Matrix. Justement, à l'arc, c'est plus simple. Enfin, normalement, t'es censé être à distance, c'est pas de la courte portée, quoi. Ouais, pas faux. Qu'est-ce que faire? Que faire? Crache-lui dessus, je sais pas. Après, je sais pas si ça peut servir là, mais t'as. Non, ça servirait pas, mais ton repositionnement ou. Ouais, mais non, parce que je voulais dire, justement, je voulais te mettre pour me mettre où que t'es toi. Mais le point, c'est que Dark Souls, c'est tout seul. Oui, non, ça vaut pas le coup. Oh non, ça va. Donc, je. T'as pas ton tir aérien? On te l'avait acheté ton tir aérien là ou pas? Non. Ok. Enfin, je l'ai, mais je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? C'est hâte, ça, non? Ouais, hâte. Du coup, je sais pas si. Ça fait peur comme ça, mais en fait, ça va. Au final, je peux le faire que sur moi-même. C'est classe qu'on a fait. Ouais, c'est stylé. Ah, mais tous les effets des sorts, ils sont. La force! C'est la classe. Allez. On dirait que tu vas invoquer, je sais pas. Une bombe nucléaire. Il y avait des kits quand même. Hein. Oh la vache. C'était une ninja avant d'être une zombie. Ou... Ah, c'est moi. Est-ce que je continue mon focus sur le grand juge là plutôt? Ah, bah oui, il a plus d'armure. Oui. Tu peux le marrer. Ouais, il a plus aucune armure, ouais. Allez, ça va piquer ça. Ça lui apprendra. Les deux en état de choc, nice. Étourdissement. Il y en a un qui est à terre en plus. Il y en a un qui est étourdi et l'autre il est. Non, il est état de choc, il est pire en deux. Par contre, je trouve les combats on les gère trop facilement. Oh le bâtard. Oh l'enfoiré. Les combats on les gère trop facilement. J'aurais aimé qu'on puisse monter la difficulté, ça m'énerve. Bah, on fait un peu de tactique. Alors, que fais-je? Je vais mettre les cornes. Oh, une petite charge là. Allez, regardez le perso de Dark Lou, comment il est. Stylé, c'est une métamorphe. Allez, les cornes de taureau, elle fait une charge de taureau. Oh, manqué, super. Okay. What? C'est un délire hein, ce début de combat pour vous, hein. Franchement. De ce côté là-haut, c'est un délire. Elles se font face. Que va-t-il se passer? L'autre, elle jongle négligemment avec son bâton, elle nargue son adversaire. Qu'est-ce que je peux faire? Dark Lou réfléchit à sa prochaine attaque. Peut-être que je vais essayer de piétiner mon guerrier. Ouais, ça va la faire tomber, je pense, non? Grosse onde de choc. Ah, dommage, t'as pas touché le. La moine. Alors, monsieur nain, il a plus le visu sur les ennemis. Quoique, si t'es tout. Non, même pas, faut que je descende. Faudrait que je descende, mais vous avez pas besoin d'un coup de main, je pense pas. Non. Je suis trop loin de nous de toute façon. J'ai même pas pensé à dire ce qu'était le perso de Canette. C'est une elfe. C'est Archer et mage de feu, un peu, non? Ouais, c'est ça. Mais Archer, ça se dit pas comme ça, c'est rôdeuse, non? Je sais plus comment c'est appelé. Ouais, c'est ça. Chasseuse, je crois. Ah oui, chasseresse, ouais, ok. Ah, je peux rendre l'armure à ma créature, je crois. Bon, est-ce que c'est nécessaire? Non, mais le fusil. Pas de dégâts d'attaque, là? Non, j'ai un autre attaque. Ok. Je rends son armure au fusil. Ouais, voilà. Et là, va venir croquer les fesses du monsieur. Ouais, le grand juge, là, j'en ai marre qu'il se soigne. Ah, je jure. On t'a le camé, quand même. Oh la vache. En fait, mais comme ça tape. Alors. Allez, tu t'es ouais, c'est ouf. Ouais, le combat ultime entre les deux elfes là, c'est quand même. Ouais, sauf que c'est pas un combat qui m'arrange. Non, tu te replies là. Genre, mes cibles non valides, ça m'énerve. Bonjour, à quitter la partie. Rien, ah, j'ai eu une connexion expirée. Je peux te réinviter. Il me dit quand je peux te réinviter.
Ça charge. Qu'est-ce que tu essayes de faire là, Canette? Bah justement, je voulais exploser son visage au magistère, mais je peux pas non plus. Peut-être qu'il y a une commission à remplir, je sais pas. Bah c'est pas les gens morts que tu peux exploser leur visage, je sais pas. Ça servira à rien. Ouais, voilà. Ah mais oui, je viens de penser, c'est un découpe visage, peut-être juste sur les cadavres que tu peux. Ouais, c'est ce que je me suis dit en fait. Ouais, j'avais pas pensé sur le coup. Bon allez, toi. Je suis dans le menu, Pete. Ok, je t'invite. Ok. Là, on a pas vu du coup. Ouh, mais elle te tape. Je te vois plus sur Steam, Henri. Au pire, rejoins-toi tout seul, si normalement tu peux. Tu me vois plus sur Steam. Non, je pouvais pas t'inviter là. Dans... C'était trop. J'ai même de nouveau le bienvenue sur le chat de Twitch. Avec vous. T'as vraiment eu une déco, alors attends, je vais retenter la ligne là. Ah non, ça je rejoins tout seul. Ouais, c'est marqué, enfin, ça a marqué qu'il y avait un joueur. J'arrive. Je suis encore en chargement. Oh, c'est pas encore ton tour. Hein. Et deux. C'est quoi mon effet là? Hâte, ah oui. Que faites-vous, Ivan? Je vais attaquer. Ah, je peux peut-être toucher les deux, avec un peu de chance. Mettre la vue tactique, voilà. En essayant d'éviter de toucher la créature. Voilà, coup de rire. Allez. Ouh. C'est moi qui ai mis le coup fatal à ce tracker. Ah ouais, il est mort. Ah oui. Pauvre, il a eu un AVC en fait. Et lui, 24 sur 86. Bravo, Ifa. Est-ce que lui, je vais pouvoir l'éclater? Attends. Mais par rapport au combat, peut-être que vu qu'on est encore dans la zone de départ, peut-être qu'on est trop au level, mais qu'après ça va s'équilibrer. Peut-être. Peut-être, ouais. J'espère, ouais, enfin, ça semblerait logique que la zone suivante soit plus forte. Est-ce que je vais en éclater deux en un tour? Yes. Oh, les pirouettes qu'il a fait. Ouais. Ah l'autre, il est grillé, liquifié, gelé. À votre tour, camarade. Après, on est plus au level que, hein. C'est ce qu'il faut se dire. Oui, parce qu'on tellement tout nettoyé qu'on a pris de l'XP. Ça, ils sont 4, on est 5, déjà on a un level de plus que les autres. Mais aussi, je pense qu'on joue bien. Enfin, on réfléchit et tout, on joue bien tactique. Et que j'ai mis la difficulté normale, donc je pense que c'est pas très difficile. Non, mais je crois dans le fait que ouais, je pense que les ennemis seront plus forts en dehors de Forge. J'espère. Alors, que puis-je faire? Sauvage, j'en sais rien. Les ailes pour le style ou pas? Pour le style. Pour montrer à la style. Ouais. Regardez ça. Regardez quand c'est pas naturel. C'est tellement stylé. Ah ouais, c'est trop classe. Je peux. Est-ce que je vais me soigner? Des cornes de taureau, des ailes d'aigle. Tarklou, c'est le taureau ailé de Yuri. J'avoue. Pas français. Trop stylé. En plus, ça boit du sang. Ouais. Oh, c'est hérésie. Bon, moi, y'a plus d'ennemis. Je mets 15 ans à me rejoindre. Bon, par contre, moi, j'annonce que je me casse. J'en ai marre de toucher personne. J'arrive, je cours très vite. Tu cours accroupi. C'est ça. Créature va me suivre, hein, parce que voilà. Ah, tu peux aller moins loin que moi. Hop. Alors. Allez, c'est bille, allez, c'est bille. Encore repli. Voilà. Attends, what? Ah, je suis plus dans le combat parce que je suis vachement aimé par rapport à vous. Je suis plus considéré. Ah, ok, dans le tu peux aller. D'accord. Tu peux aller looter. Ah, là, t'as touché. Nice. Allez, HM là. Ah, si, là, je suis. Ah non, c'est ma créature qui peut looter. Mais. Oh, elle te lâche pas. Alors, ben, bon. C'est un combat de jumeaux en fait. C'est ah, oui, c'est mon nain qui est dans le combat, mais ma créature est pas dans le combat. Peut-être qu'elle va bientôt disparaître. Ah non, je dis une grosse connerie, elle vient de disparaître à l'instant quand je l'ai déplacée, d'accord. Ok. Ivan, mettez un terme à sa souffrance. Ah oui, et petit détail, les gens, ma créature a grossi. Elle commence à être presque la même taille que moi alors qu'avant elle était. J'ai peur d'utiliser la pluie de grêlon là. Non, vas-y, moi j'ai du PV, vas-y. Et j'ai de l'armure magique. Non, mais hésite pas. Non, mais t'inquiète. Et puis, pour le kiff, Tarklou t'es dedans? Ah, je pense que oui. Ouais. Encourage-nous! Allez-y, il en reste plus qu'une. Je vais me déplacer juste pour qu'on me voit flotter.
Ma classe. On porte au plus vite pour toi. Et je vais faire la totale. Ah merde. Bon, je vais passer. Attends, hein. je suis trop loin pour faire quelque chose, je vais passer. Et Sylvie, après c'est ton tour, hein, tu vas ouais. Achève ta ton les personnages de ton pote. On va essayer. Hein. Ta jumelle maléfique. Ah, c'est bon. On est trop fort. Oh loot. Je suis un gros curieux, je vais direct aller sur le cadavre du chef. Ouais, ça m'étonne pas, ça. C'est pour ça que je vais même pas essayer clairement, d'y aller. Je veux clairement savoir ce qu'il. Moi, je prends le livre. Ah, oui, oh, avec la télékinésie. Il a 20 000 trucs sur lui. Oh, ce marteau. Masse du magister Orion. Masse à deux mains. Oh, elle fait pas beaucoup de dégâts, mais voilà, elle est classe. 15 à 16 de physique. Ah, c'est 5, bien, ça. 5 chances de critique. Confère la totale. Mais ça vaut très cher. Ah, c'est bien ça. Alors, sachant que bah, moi je me bats avec un bouclier, donc ouais, je veux pas la mettre. Le mettre en mettre le marteau. Je vais lire à haute voix le livre. Je t'ai envoyé la source. Attendez. La source. Oh. Attendez, j'ai un nouveau truc aussi, attends, j'en profite parce que avant que tu lises, j'ai fini le loot. J'ai une rune, la première fois qu'on en a une, rune de maître ça, de petite taille. Comment on peut utiliser ça? Alors, rune de niveau 1, si on la met sur une arme ou quoi, j'imagine, ça fait plus 9 de dégâts. Mmh. Et ça donne plus 9% d'armes physiques aussi. Ok. Pas mal. Il y a une fan aussi. J'ai de la thune, j'ai une jambe à manger, enfin un bras à manger pour... Moi j'ai déjà aussi un morceau à manger donc ça tombe bien, j'ai un peu faim. Et bah tiens, si t'as faim. Et j'ai des super gants qui donnent 5 de physique, 4 de magique, 1 d'adresse, ils font 11 de dex. Oh putain, c'est pour. Bah c'est pour moi ça, ouais, en plus pour, ça. Pour Séville, ouais. Ah, je suis con, j'ai cru qu'ils apportaient, ils donnaient plus 11 de dex, mais non, c'est juste qu'il faut 11 de dex pour les porter, ouais. T'as déjà... Est-ce que t'as des gants déjà sur toi, Ouais, mais du coup, ils sont moins bien, mais du coup, j'ai proposé... Ah, mais moi, j'ai des gants vraiment de merde, ils font 2 d'armure physique seulement. Si t'as au moins t'as envie de... Ouais, je l'envoie tout de suite, ils sont à peine mieux. Mais... Ah, du coup, ça augmente, ouais, le vol à la tire, le crochetage et tout, donc ouais, c'est cool. Pardon, j'ai perdu les noms, c'est bien, voilà. Vas-y, Darko, pardon, si tu veux lire. On t'écoute. Alors. Livre somptueusement relié. La source est une affection innée. Nous sommes tous marqués par son étrange pouvoir de destruction et de création. Et nous sommes animés du désir naturel d'en user. Pour autant, comprendre et accepter sont deux choses bien différentes. La corruption de la source n'a pas sa place dans notre monde. Combien de fois a-t-elle dévoyé le cœur de ses hôtes, qui l'ont utilisé pour torturer, tuer ou invoquer des monstres innommables parmi nous? Cela ne peut perdurer. Ah, ils sont vraiment très remontés contre nous. Ah, ils étaient convaincus, oui, que nous sommes le mal. Cette pauvre elfe, réduite à l'état de... De tous ces gens qu'on a vus dans cette prison et on n'avait pas compris que c'était... Eh oui, c'est ma faute, je me suis fait voir. Je me suis trop approché du rebord. J'ai une quête noble pour vous, cher compagnon. Oh. Est-ce que nous, une fois qu'on aurait fait ce qu'on a à faire, on retournerait pas au port pour libérer ces âmes qui ont été comme elles, zombifiées? Je sais pas si on peut les libérer, ils ont l'air de rester là. Seulement libérer leur âme. Si on doit tous les libérer, il n'y a pas que ceux du port, il y en a dans les souterrains et tout, on en a pour 3 semaines. Ouais. Alors, malheureusement, hors RP, je crois que ceux de la prison, on peut pas le faire, parce qu'ils sont juste là en statut. Oui, on peut pas interagir avec eux, ouais. Quand on passe devant... Je pense qu'on peut. Mais les libérer, c'est les tuer, en gros. Oui, c'est ça que j'ai voulu dire. Ouais, bah oui. Libérer leur arme, quoi, libérer. Donc même s'ils bougent pas, on peut les attaquer, hein. Si on lance un sort sur leur gueule, même dans les souterrains, ça marche. En tout cas, je suis allé par là-bas, et on peut descendre sur la plage. C'est le même poste. Ah. Par où? Ah oui, non, mais oui, c'est l'échelle, mais là, c'est pour fuir Forgeois, pour le coup. Ah, d'accord. Pour moi. Je sais pas. Okay, c'est okay. Quand Canette était parti par là-bas que ça avait déclenché. Ouais. Est-ce que je peux manger mes morceaux de chair? Oui, bien sûr. Ouais, puis une petite sauvegarde en même temps. Peut-être que j'utilise pas de paillasse. Je prie la sauvegarde. Dieu de la sauvegarde. La petite paillasse aussi. Le dieu de la paillasse. Sauvegarde. Je mange. Ouais. Attends, je sauvegarde d'abord. Ça m'a pas mis de dialogue. Ok. C'était juste pour moi. Ça te soigne juste? Ouais. Et t'en avais pas un deuxième? Je t'ai filé un bras, ouais. Ok, bah y'avait pas de souvenir intéressant, quoi.
Ah. C'est bizarre, c'est la première fois que ça me le fait, mais bon. C'est dégueulasse en vrai à voir ça. Et donc la masse les du... bras d'un mec. La masse du magistère, on s'en fout du coup. Je la vendrais. Ben, elle est belle au niveau du skin, mais elle est pas si bouffe en vrai. Donc... Ouais, non, on a dépassé le niveau, je crois. Ouais, je pense que ouais, il faut vite qu'on quitte Forge. De l'équipement. Un peu d'adversité en fait. De l'équipement ici. Et de, ouais, du équipement sympa du coup. Bon, nous avons échoué dans notre quête de libérer cette jeune elfe. Mais au moins nous en savons plus sur notre sort. Ça aurait été notre sort si nous étions passés en jugement. Oui, oui, on a appris des choses. On a zigouillé du magistère. Où partez-vous ? Cette personne, On va voir les limaces, non ? Excusez-moi, je vois que je pars tout seul comme une bille. Mais... Ah, moi je suis bêtement en plus, je me sens rien. C'était par où ? Elle avait l'air de savoir ces billes. Est-ce qu'on a tout fouillé en bas là ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut, on peut repartir dans les sous-sols ici. Oui, c'est ce que je pensais. Hein. Avec le, avec le grand escalier. Moi je suis, alors je crois que vraiment que ça vous est pas. Mais moi je dis non. Ah, les ennemis, c'est les chiens, d'accord, j'ai compris. Ouais, bah c'est eux que tu veux voir si on peut les attaquer ? Non, mais non, on va pas se faire chier avec ça. Est-ce qu'on y était allé au final là-dessous là ? Oui, justement, c'était pour l'urne de Fanor. Ah oui, ah, oui. Ouais. C'était là-dedans ? Oui. Ah ouais, ouais. Et la porte là-bas, est-ce qu'on y était allé ? Je me souviens plus de rien. Oui, là on sort dehors. Non. Alors attendez, ah bon, je reviens. Je me souviens plus, je t'avoue. Cette porte-là, la grande porte, c'est, oui, le, voilà. La, c'est la grande cour de Forgeois où j'étais tout à l'heure. Ouais. Ok. Okay. Vous voyez. Il y a un moine qui t'a appelé ou c'est toi qui lui as parlé ? Non, c'est moi et en effet, ils peuvent toujours pas parler. Donc nous, on vient de descendre d'ici là. Il est pauvre, oui. Du grand escalier là. Okay. Et on venait, je pense, de cet escalier là. Oui, on venait de là, c'est ça. Mais c'est vrai que moi, quand je disais tout à l'heure l'embarcadère au loin, c'était là. D'accord. Mais c'est... Il y a l'air d'avoir. Mais ça, on est déjà là. Il y a le monde. Ah, non. Non, je pense pas. Ah, non, on n'a pas été à l'embarcadère. Ah, on tente le fût. Il y a un rat qui vient de passer, on peut peut-être lui parler. Il y a des moines. Oh, mais les rats, ils disent pas grand chose. Ah, ouais? Il y avait une souris que t'avais parlé une fois, un petit peu plus, une rate. Ah, mais il n'y a plus les personnes que j'avais vues auparavant. Ton vu, ils sont chou. Oups, c'est le mode furtif sur toi. D'ailleurs, le rat, je peux même pas lui parler apparemment. Enfin, quand je mets ma souris dessus, ça met adresse requise. Je donne ça à Sibyl, c'est elle qui craft. Alors, de quoi adresse requise ? Pour choper le rat. Non, la quête de ouf, allons, chasse au rat. Piétinement guerrier que j'ai chopé. Ah, bah, y a un livre ? Oui, piétinement guerrier, un livre de compétences. Ouais, ça sert à rien, enfin, y'a que Darklow qui a le truc. Y'a rien ici, on veut. Ça dépend si un jour quelqu'un veut se mettre guerrier. Oui, voilà. Ou alors on le vend pour se faire des thunes. Comme vous voulez. Bah, moi, en tout cas, j'ai pas l'intention de me mettre guerrier. La seule personne. Pas tricher, bah, ce serait moi, non ? Non, mais toi, tu l'as déjà, le sort. De quoi ? Oui, piétinement, oui, en effet. C'est pour ça, en fait. Et bah, y'a rien ici, en plus. C'est peut-être par là qu'on arrive. Ah, mais non, je suis con, on s'est échoué sur la plage. Ouais, mais c'est parce que notre vaisseau a été détruit. Vous pouvez sortir le mot que tu fus, je pense. Oui, mais moi, ça fait un moment que je suis sorti, moi, déjà. Nous, on est en train de marcher côté de nous. Ah, c'était ouais. Menteur. Où es-tu, Ifan ? Derrière. Il y a Sibyl qui fait du bout. Ouais, on avait tout vu par là-bas ? Je voulais te voler les trucs. Oui, t'es là qu'on s'était tapé avec quelqu'un. Si, mais je ne peux pas. En morceaux. Peut-être. Il n'y avait rien de plus. Non. Ah si, c'est là la sortie, justement, vers les marais. Ah oui, vers les marais. Oui, avec Captain. On peut y aller ? Bah, pas tout de suite, du coup. On peut y aller si vous voulez. On a encore des trucs à faire ou pas ? Oui, bah, Est-ce qu'on redescend d'un niveau encore pour les limaces ? Ouais, j'irais bien voir quand même, vu qu'on avait fait, qu'on avait rebroussé le chemin. Tant qu'on est là, quoi, ouais. C'est pas vers la plage qu'on a été voir les limaces, je sais plus comme ça. Les limaces, j'arrive non, plus à me souvenir. Je crois que c'était le passage secret qui était qui menait vers la une statue, cave. Non, je vais vous montrer. Faut qu'on aille de Arrêtez de me suivre là, le chat et l'écureuil, vous me dites chiant, ils me suivent partout. Mais là où ils te suivent, toi ? Pourquoi il me suit ? On avait une entrée de caverne. Je vais vous manger, je suis nécromancien. Par là-bas. Ah oui, c'est bon aussi. Et d'ailleurs, c'est pas ici que peut-être qu'Henri peut ouvrir une cellule ? C'est ici la prison en fait, non ? Ouais, j'ai une clé, mais je sais pas, ouais. Après, elles sont toutes ouvertes donc.
On avait tout ouvert, voilà. Je crois. On avait pas tout ouvert, on avait tout défoncé à coups de sort. Projeté. Ouais, mais au final, c'est ouvert. On s'était tapé contre des magistères aussi. Heureusement que vous faites pas ça en jeu de rôle. Ouais, bon, on défonce la porte. J'avoue. Et en effet, je crois que c'est par ici. Ouais. Oui, en effet, c'est là. Nos chers limaces. Ah oui, je pensais que c'était des araignées ou est-ce qu'il y avait des, il y avait des tôles d'araignées partout. Elles sont là, les. Par où on était passé? Là, je pense c'est mieux. La gauche, ouais, un peu. Et on avait dû parler. Ouais, on avait dû parler à la reine. Ouais, mais là, le but, ça va être juste d'aller là où. D'ouvrir la map. Ok, il y a derrière une sortie là, si on continue à gauche. Oui, on était monté par là. Alors attention, oui, il y a une limace qui passe. Ouais, c'est pique. Elle m'a regardé. Elle m'a rien dit, c'est bon. Okay. Bonjour. Si on passe à côté, je pense qu'elle me laisse passer. Il est pas bizarre. Ah oui, j'étais ici, je m'en souviens. Ouais, t'as vu, il y avait des sortes de grouillements de rats ou je sais pas quoi. Y'a pas un coffre ou un truc ici? Non, je l'avais déjà ramené ou je sais pas. Je crois. Ouais, il y avait un truc. Avec téléportation, je crois. Et donc là, où arrivons-nous? Vers la mort. Ah non, on revient sur le ghetto de Forgeois. Ah ouais, on est sorti à une petite trappe là. Ok. Bon bah écoutez. Ah mais c'est là. Ah oui, je m'en souviens, c'est là où on a tué le Geist là. Ouais, le gars pointier foufou. Là. Ouais. Donc c'est pas par là qu'on peut sortir. Donc en effet, je pense qu'il faut retourner vers les sortes d'égouts. On a plus rien à faire ici, du coup on s'en va là, ça y est. Bah y'a que Vracus Rex, mais non, c'est pas possible. C'est bon, c'est pas possible. Ouais, on a tout fouillé. On reviendra, on reviendra au pire. Je sais pas si on peut revenir à Forgeois après. Je vais l'entrée du complexe souterrain. Aucune idée, mais. Mais comme vous le sentez. Puis on a parlé à peu près tout le monde aussi, j'ai l'impression. Mais d'accord que la trappe là où on a buté, comment il s'appelait, Griff, c'est ça? Oui, c'est pour la reine, ouais. C'était la reine, ouais, c'est ça, d'accord. C'était la reine, ouais. Bah en fait, là dans le complexe souterrain pas crusterait que j'ai voulu faire voir sur la carte et il me dit que c'est dans une autre zone. Ah, d'accord. Cassons-nous de cette prison. Cassons-nous d'ici. Bon, on rentre par là? Ouais, on peut. Par la trace. Et on remonte au premier étage de la prison. Allez. Partons enfin. Allons-y, compagnons. Et en effet, c'était cette petite fille qui nous avait indiqué la sortie. Par contre, du coup, moi j'ai encore. Bah, j'ai pas mal de trucs à vendre. Ah, c'est des chauves-souris en fait qui vont se brûler là. Ouais, je me dis. Je croyais que c'était des rats ou des souris, mais sans les chauves. Des souris chevelues, du coup. Des chauves-souris à perruque. Ouais, j'ai des trucs à vendre, on va pas avoir des vendeurs d'abord, non? Ah, bah, si, peut-être. Bah, le truc, c'est qu'est-ce qu'il va avoir à cette thune pour t'acheter les trucs? On peut échanger contre des sorts. Ouais, c'est vrai, on peut se piller. Ah, bah, c'est un peu égoïste, mais j'avoue que j'avais deux sorts, moi, que tu m'avais vu, je sais pas où, qui m'avaient intéressé. Ouais, j'avoue qu'il y a des sorts qui me plairaient bien aussi. Attends, j'ai combien de thunes? Nous avons un pactole de 1552 pièces d'or. Ah! Moi j'en ai des thunes, il faudrait que je te les envoie. Bah, je vais vérifier aussi, moi au cas où. Ah non, j'ai une pomme de terre, ça rend 1 de constitution et 10% de points de vie. Oubliez pas, si vous avez des harangs, je suis preneur. Sibylle, je t'envoie un morceau de métal tranchant, comme t'es bien fan du craft. Ouais, je sais pas ce que je vais en faire, mais j'ai trop. Allons-y. Je crois pas qu'il y avait de vendeurs dans la prison. Ah oui, non. J'ai un rasoir. Non, j'ai c'était ça en dehors, aussi. Du coup, on aurait mieux fait de pas rentrer là-dedans. Mais... J'ai ça aussi. Ah, d'accord. Je pensais que c'était une porte et c'était une paillasse. Ah, je vous ai perdu. Vous êtes parti? Ouais, ouais. Tout droit. Ah. Poche magique. Bonjour. Ifan Ben Mezd a pris clé de la prison à Loz grâce à poche magique. C'est quoi cette merde? Je sais pas ce que ça veut dire. Vous l'avez eu ce message, vous aussi? Ouais. Moi je l'ai eu. Short-tard. Parce que ça nous concerne nous deux, donc. Le faux a pris clé de la prison. Ouais. Ah, c'est pour sortir en fait, on a besoin de la clé donc vu qu'on est éloigné, ça la. Ah, le jeu il fait genre. Ouais, c'est magique. T'es sûr que par là on peut y aller, Darklo? Oui, c'était là où j'étais sorti, y'a personne. Hein. Ouais, mais je veux dire, c'est ouvert, c'est pas fermé? Non, c'est ouvert la grande porte. Ah oui, c'était fermé avant, ouais, ok. Comme on a pété la gueule à tout le monde. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut vendre des trucs à la. La forgeronne? La forgeronne. Un peu de thunes, lui. On peut voir.
Putain, il y a des cadavres, du sang partout. Les gens, vous êtes pas obligés de rester là, vous êtes libres. Hein. Ouais, barrez-vous, ils sont cons, il y a plus personne. Y a plus personne. Bon, alors qu'est-ce que je vends? Oh, ça va être le bordel, j'ai pas une trop de me faire chier avec ça. Bon, moi je me repose, hein. Je suis un nain, je suis fatigué. Jambière. Attends. Oui. Je peux peut-être voler des trucs hein, pendant que tu parles. Ah, oh, le vol, ça y est, les voleurs. J'aurais dû sauvegarder avant. Non. Non, non, au final, ce que je peux, elle me regarde dans ma direction, donc c'est mort. Bon, je suis raciste. Bon, tout ce qui est marteau, griffe, je vends, hein. Ouais, ouais, je t'ai fait des trucs. Ouais, moi j'ai gardé ce qu'il me faut. Parce que là, mon arme de corps à corps, je la garde juste pour skin pour l'instant. Couteau de cuisine, donc, j'ai jamais, c'est une arme, c'est un marteau de nain, donc je le garde. Donc, question, ceinture, 4 d'armure physique. On s'en fout? On s'en fout, j'ai 7. Ouais, répondez-moi juste non, tous, quand non. Ça vous intéresse pas. Ceinture 4 d'armure physique, donc. Non. Non. Ok. Jambière 6 physique, 4 magique. Non. Oh, mais ça peut être mieux que ce que j'ai, ça. De quoi? C'est mieux que mon pantalon aussi. Ok, donc je les garde. Casque 2 d'armure physique, ça, je pense pas. Non. Gants 2 d'armure physique, on s'en fout. Je suis en slip. En fait, t'avais quoi? 5-1, ok. Ah oui, c'est mieux, ouais. Chance libère. Bottes 2 d'armure physique, non. Non. Marteau de réparation, je garde. Balai, on s'en fout. C'est qui a ramassé un balai? On est d'accord, du coup, le livre... pour apprendre le piétinement guerrier, je le vends. Oui. Ouais, moi, j'ai pas... ça. J'avais même pas vu, j'ai deux sorts de nécro de côté. Ah, il me faut nécro niveau 2, c'est pour ça, je les avais gardés. Oui, oui. Tu voulais investir des points, certains points. Les dents, ça sert à quelque chose, ça? Ah, le leveling, c'est que dans 1300 points d'XP. Hein. Eh oui. C'est un trophée de guerre. J'en ai 7 des dents, je les vends, non? Ça sert à rien d'autre. Je fais un collier avec. Vous en pensez quoi? Je peux le vendre, non? Je peux les vendre? Ouais, j'imagine. Ça doit pas être un composant d'artisanat, ça. Je sais pas du tout. Malachite. Moi, j'ai des arêtes de poisson, je sais pas à quoi ça sert. Moi aussi, j'ai... le pire c'est que. Ah, mais j'ai de la bouffe. J'ai 10 dîners. Ouais, moi j'ai plein de bouffe. Aussi. Ah, moi, c'est cool. Je suis au taquet de bouffe. Ah, tu parlais de runes tout à l'heure, c'est dans l'onglet artisanat. Ah, bah je l'ai filé à Ifan là. Ouais, je l'ai. Malachite, à votre avis, je vends. J'aime vert, forêt. Vendez-la à un marchand qui s'y connaît. En craft. Ouais, je serais peut-être David, peut-être garder les joyaux, les runes, ouais. Les pierres, parce que ouais. Il y a moyen qu'on puisse faire des trucs stylés avec. Ouais. Enfin, souvent dans les jeux comme ça, on peut faire des trucs stylés avec les joyaux. Donc. Bon, oui, je récupère de l'or en échange de tout ce que je vends là, ça vous va? Ouais. J'achète rien. De toute façon, c'est pas elle qui vend des sorts. Elle vend des trucs d'invocation. Bah, ouais, j'avais déjà ce qu'il faut, je crois. Ouais, tu voulais rien de plus? Double. Ouais, j'ai ma créature et c'est deux boosts. Donc je crois qu'il y a rien d'autre. À moins qu'il y a d'autres boosts pour créature, mais sinon c'est... Surcharge, est-ce que tu l'as? La créature invoquée ou le totem ciblé inflige 100% de dégâts de base supplémentaires pendant son prochain tour, puis meurt. Ah oui, par contre, elle meurt juste après. Ah oui, c'est pour ça que je ne la voulais pas. Ouais, non, c'est pas ouf. Ouais, moi, j'ai puissance et double vue. Et l'invocation de base. Il y en a un qui coûte pas trop cher, totem élémentaire, cible une surface de sol et y fait apparaître un totem de l'élément correspondant. Chaque tour, ce totem tire un projectile sur les ennemis situés dans son champ de vision. Dure 3 tours, non, 13 mètres de portée. Non. Mais, pas vraiment, je préfère, ouais, au niveau de la créa. Donc insufflation de puissance et double vue, ça t'aide déjà. Ouais. Évocation d'incarnation, je pense c'est que la base, c'est la base, ouais, d'accord. Éclair dimensionnel, je crois que tu l'as déjà. Je l'ai aussi, ouais. Cri de ralliement. Non, je suis pas sûr. La cible récupère de la vitalité et de l'armure magique en fonction du nombre d'alliés et de totems à proximité. C'est un peu trop aléatoire, ça. Il coûte un peu cher, hein, le sort, le truc. Ouais, puis, ouais. Bon, on va rester là-dessus, du coup, pour le moment. Je l'ai ruiné, okay. Sa thune, à elle, là. Faut juste que tu me passes le pantalon. Yes. Qu'est-ce qu'il vous faut là? Yes, wounds, libar. Attends, parce que moi j'hésite là. J'ai soit mes jambières que j'ai actuellement sur moi qui font 5 physiques, 4 magiques et plus 2 initiatives. Initiative, ouais. Ça influe sur quoi? Bah, tu joues en pro.
dans ton ordre de jeu. Donc est-ce que vaut mieux que ce soit toi qui aies de l'initiative ou moi? Moi il faut que je puisse m'invoquer ma créature qui a bloqué assez vite, mais après bon... J'ai déjà 11 d'initiative, t'as combien pour initiative? Disons que la différence entre les deux c'est soit plus 1 d'armure physique, soit plus 2 d'initiative, tout simplement. Armure physique je suis déjà à... Oui, toi oui. Enfin, parce que là j'ai... Mais en vrai, est-ce que plus 1 d'armure physique fait vraiment de la différence? Est-ce que t'as 11 de dextérité par contre, Henri? Oui, j'avais exprès monté. Ok. Ouais. L'initiative, t'es à combien? 11 aussi. Et moi, je suis c'est à 12. Qui... Si j'enlève, je vais être à 10. Donc, ouais, je vais te laisser ça. Je te laisse des trucs, ça marche à mieux. Ok. Merci. J'en ai beaucoup. Donc, est-ce que. Oh, ça me fait une petite jupette verte avec des pompons orange. Ah putain, moi aussi, j'ai une jupe dégueulasse là. Regarde la tienne, attends. C'est très moche, attends, je me rapproche du feu. Ah, je me suis bien vu tech. Ah, t'as un truc rouge autour de ton feu, là, c'est chiant. Attends, ah, oui, il est pourri ton skin, toi. Ah, mon skin est pas ouf, mais il est fort, mais c'est dégueu. Ouais. le chapeau, il est stylé, avec le masque de cuir avec les capuches. Ouais, c'est vrai que violet et vert, fou. Mais violet vert, il est moche. Ouais, ça clash, hein. Ça clash. Violet, moi, à la limite, ça irait bien avec mon bas. Ah, mais je le garde. En fait, je le garde parce qu'il te fait de la vocation. Donc... C'est qu'on allait être pas stylé. Est-ce qu'on. Donc, on retourne dans la prison, aller s'échapper. C'est ça? Bah, on peut pas s'échapper par. Ah, tu vas, oui, tu veux. Non, on veut l'entrée spéciale. Ouais, on peut aller à la prison. Ouais, on se barre, c'est bon. Moi, ouais. Si ça dérange pas, j'aurais bien voulu, si t'as assez d'argent, prendre le dernier sort qui m'aurait intéressé. Moi, ça me dérange. C'est qui le vend? C'est la crèche. Ouais. C'était Barrage, le nom du sort. Oh, bah c'est pas loin. Ton crèche. Demande-lui de venir avec nous. On connaît même pas son nom, on l'appelle mon crèche, c'est triste quand même, c'est vachement rabaissant. C'était Tire dans le ciel, Kamet, non? Non, Barrage. J'avoue, c'est le seul personnage qui a trahi ses copains pour nous. Nemia. Non, le paladin aussi. Enfin, le paladin était déjà en embrouille, mais... Ouais, il était déjà... Nemia. Ah, tire 3 flèches sur autant de cibles, c'est ça? Ouais. Et le tire dans le ciel... Ça dans le ciel, je l'ai déjà, du coup. Ah, tu l'as déjà, d'accord. Ouais, je sais plus comment je les loot, mais... Par contre, il coûte 3 points d'action, sache-le, hein, barrage. Ouais. Et il coûte un peu cher, mais ça va le faire. Bah, après, s'il coûte cher, non, mais y'a pas de soucis, hein. On peut toujours attendre. Non, mais moi je préfère qu'on dépense de la thune pour des sorts que pour des équipements. Les équipements, on les ramasse, les sorts, pas forcément. Ouais, les sorts, c'est rare. Moi, ça me dérange pas. Hein. Au pire, on peut continuer après à aller acheter d'autres sorts. Moi, je préfère attendre des sorts peut-être qui seront plus. Bah, c'est. Plus haut niveau après, En toute logique, c'est pareil, à mon avis, si on songe de zone, il y a moyen qu'on va tomber sur des marchands ou des trucs. Ouais, je pense. Dans ce cas-là, ouais, parce que s'il coûte 3 points d'action, c'est cher. On peut toujours attendre plus tard, ouais. Je le prends pas, du coup? Non. Ok. Non, parce que je me dis, oui, c'est vrai que si jamais il y a d'autres sorts plus haut level, ils vont peut-être plus valoir le coup. On va laisser Ifan lui dire au revoir, quand même. Salut. Salut. Ah, ciao, en fait. Enfin... Ouais, je fais une petite sauvegarde. Ah merde. Ah, t'es tombé dans une trappe. Ah, non, ouais, non, mais c'est bon, je suis revenu. Prions le dieu de la sauvegarde. Dieu de la sauvegarde. Dieu du destin. Bon, j'oublie tout le temps le chemin, moi je vais vous suivre bêtement. Oui. Ah putain, on va enfin se barrer d'ici, qu'est-ce que je suis content. On est rêvé de ce moment. Et là on sort, on se fait one shot au premier truc. Ça m'étonnerait ça. Attends, c'était. Pas... Le stuff qu'on a quand même. Ouais, on est chaud là. Alors, on redescend. Fallait redescendre, je sais plus. Ah, moi je suis bêtement, je cherche pas à comprendre. Il me stresse le bip. Non, y'a pas besoin. Ah, ouais, pardon, oui. C'est en haut par. À gauche. C'est, ouais, voilà. Là où il y avait les écorcheurs. Bizarre. Putain, ah, j'aurais pu cliquer sur le rat, moi. J'ai failli cliquer dessus, c'est con, je peux pas lui parler. Bah, moi aussi, je peux lui cliquer dessus, mais... Moi, j'ai pas assez d'adresse. Ça sert à rien. Faut descendre par là. Oh, j'y suis, moi, là. Je m'y dirige. C'est dégueulasse, ici. Y'a toujours la petite, là, Triss. Oh. Elle squatte ici, là, ouais. Attends, j'arrive. Non, on l'avait déjà vu ça. Aidez-moi s'il vous plaît, tout ce que je veux c'est retourner sur la plage pour jouer des coquillages. Oui, il est trop lourd pour moi.
Bon, bah... Je vais passer le dialogue. On y va? Alors, j'y vais. Ouais. C'est parti, moi j'y vais aussi. Allez, on se casse! Ta-da-da. Puanteur, 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 ça pue. Oh là, on est dans les vrais marais, là. Je sais plus direct. Ouh, il y a du sang partout. Faut dire qu'on est passé aussi par un endroit qui sont pas très bons, hein. Ah ouais, est-ce qu'ils écoulaient, ouais, les gens? Oh, j'ai... Attention! Ne partez pas fin, trop loin, ouais, c'est pire! Ouais. Oh. Wow! Et en fait, oui, on tombe au même endroit de lequel on... L'aventure d'un chat noir, c'est cool. Ouais, je aussi, pense qu'en effet... Je suis en dialogue avec Ifan. Ah, ah, ouais. Dialogue avec moi? Moi, j'ai Sir Laura. Ah non, je vais te cliquer dessus par erreur, ouais. Ah oui. Oh. Alors putain, sinon c'est le chat, attendez. Le chat ronne avec force, on dirait que vous faites... Attends, Henri, Canette narrateur. Attends, parce que moi du coup j'étais sur le dialogue de Pidgey avec l'écureuil, moi. Non, on alors, c'est une erreur. Alors qu'il se frotte contre vos tibias, le chat ronronne avec force. On dirait que vous vous êtes fait un nouvel ami. Oh, j'ai la bête. C'est toi qui l'a... Pourquoi c'est toi qui l'apprécie, c'est chelou. Bah je sais pas, il me suit plus le début, mais je sais pas pourquoi Diabo, pourquoi il me suit plus le début, c'est pas c'est moi qui ai pris la quête. Vous êtes de retour c'est avec lui. La quête du chat. Non. Attends, est-ce que je peux lui parler? Attends, attends. Non. Il va où? Une nouvelle compétence. Invocation du chat. Sérieux? Oh, je... Ah, c'est peut-être parce que t'es invocateur, hein. Je sais pas s'il y a un lien avec ça. Attends, elle est pas dans ma non. barre. Où est-ce que ça s'est mis? K. 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 Chat. Et où est-ce qu'elle est? Je l'ai en à gauche, là, mais vous pouvez... Compétence disponible. Oui, d'accord. Je pense en effet que nous sommes atterris là. On nous aurait intérêt si nous étions échappés de la salle avec le juge. Ça y est, j'ai pris le chat. Alors, qu'est-ce que ça fait le chat? Les caractéristiques de la créature invoquée dépendent du niveau du lanceur de sort et sa capacité d'invocation. Oh, ça va, on va faire un chat cheaté. Ça va être pas mal. On va en faire une panthère. En invocation, j'ai 8. C'est trop mimi. J'ai 8 et je suis niveau 5, ça risque d'être cool. Hein. Putain, t'es 8. Ouais, j'ai 8 parce que j'ai des objets qui me rajoutent des trucs. What the fuck? Par contre, moi j'ai faim, je peux manger si vous voulez. J'ai trouvé des petits morceaux qui traînaient à droite à gauche. Ah bah, vu d'où on sort, il y a moyen qu'il y ait des petits trucs qui sortent. Ouais. Bah oui, hein. Alors, du coup, vous, moi c'est je mange. Moi bah, je mangerai pas ce qu'il y a dans les parages, mais. Ah. Elle est dégueulasse. Attends, ça me canette. Moi ça me dégoûte, j'en mets pas. Il s'approche de vous. Vous avez vu ce qu'il avait fait aux autres. Et vous vous mettez à prier. À prier. À prier. Ah, c'est un bout de quelqu'un qui allait mourir, ouais. Et... C'est pas ça. Quelqu'un de dangereux rôde par ici. Vous avez du mal à le reconnaître, mais c'est bien lui. Alexandar. À votre grande surprise, il a un collier anti-source autour du cou. Il a tellement changé par rapport à l'école. What? What? Il a un collier anti-source? What? C'est chef d'ici, Alexandar, et il a un collier anti-source. Non. Wow. Mmh. Pourquoi Alexandar? Excusez, je suis obligé d'invoquer le chat pour voir ce que ça donne. Ouais, ouais, je vois. Et c'est pour ça, je pense, du coup, que c'est toi qui l'a eu le sort. Salut, Miaous. Attends, je peux lui parler ou pas? Non, je peux lui parler. Qu'est-ce que tu fais, Miaous? Miaous a des sorts. Il a des sorts. Change de place. Oh, il peut changer de place avec moi. What? Ah, putain, c'est un sort que j'aurai plus tard, moi, ça. Il a 100 points de vie. Ah oh bah oui, je suis niveau 8, enfin il est 8 d'invoque. Mais du coup il pourra jamais mourir. What? Yahoo! Il peut sauter comme ça. Stylé. Ah oui, du coup tu peux le... Il peut changer de place avec moi. Ah bah oui, du coup tu peux le... Oh mais c'est trop stylé. Ah ouais, et ça coûte des points d'action à lui, pas à toi du coup je suppose. Oui, à lui, c'est comme ses sorts quoi. Et donc du coup tu peux l'envoyer en avance quelque part et après tu TP sur lui. Et change de place c'est un sort spécial et pont du félin c'est un sort de métamorphe. Ah y'a un tronc là. C'est cheaté. Ah, je suis content. Désolé, j'ai un fait. Ok, d'accord. Non, mais c'est logique. C'est il y a logique, une coupe vide. Il y a une coupe vide dedans. Soyez prudent. Là, les marais. Ça a pas l'air joujou. Ouais, c'est pas très rassurant, cet endroit. Il y a des morts là-bas. Je crois qu'on les appelait les marais ensanglantés. Oh, c'est pas exsangue. Je suis pas trop pour mettre en mode furtif en permanence, moi. Je préfère qu'on se fasse surprendre. Oh là là, il y a du mort, il y a du loot. Il y a du loot. Ouais, mais il y a aussi des gens, je pense. C'est des magistères. Et il y a du feu là-bas. Ah, ordre de Dalice. Attendez. Dalice. Ah, Dalice. Attendez, je lis. Alors, trouvé sur le bureau d'un dame Dalice, bras droit de l'évêque Alexandar, fils du divin. J'en ai plus qu'assez de vos excuses. Comment expliquez-vous que cette rébellion n'ait pas encore été réprimée dans le sang? Vous avez intérêt de démasquer et à éliminer au plus vite la ligue qui représente ces chercheurs.
vous subirez le même sort qu'Atouza. Les armes du roi de la source ne nous seront d'aucune utilité si les chercheurs s'en emparent avant nous. Heureusement, vous n'êtes pas tous des incompétents. Ham a récupéré des chercheurs qui se déplaçaient au sud et à l'est du pont de Forgeau. Embrochez-les, taillez-les en pièces, brûlez-les vivants. Peu m'importe, je veux qu'ils disparaissent. Jusqu'au dernier. D'Alice. Ah, signe la de résistance. La chronique se poursuit, signe de résistance. Ah, c'est chronique, ouais, du coup. Donc des ordres retrouvés sur un magistère mort mentionnent les chercheurs, des dissidents qui se cacheraient quelque part dans le sud-est de l'île. Nous ferions bien d'essayer de les retrouver. On a plusieurs chemins. J'ai été vadrouillé pour voir s'il y avait quelque chose. En haut à droite, là-bas, oui, ça monte. Il y a quelqu'un. En haut. Et avant ça, ce qui est lié... Ouais. Attendez, je rebondis par rapport au signe de résistance, là. Oui. Juste avant l'étape que je viens de vous lire, là, et ce qu'on vient de récupérer, c'était lié à Verdas. Un elfe à moitié fou nous a dit que nous étions importants, mais sans nous expliquer pourquoi. Il semblait affecté par la magie noire. C'est pas celui qu'on a tué dans la prison, là? Qui était un zombie. Verdas. C'est celui que Atouza cherchait. Oui, et puis oui. Il était zombie dans la prison, et du coup... Kessebi a essayé de le soigner, et il en est mort. Comme on est à distance de vue, je me permets d'aller sur la créature qui bouge. C'est... Ouais, moi, j'ai, ça n'a pas l'air très fraîche, cette créature. Oui, Kessebi est en dialogue, narrateur, c'est moi. Vous entendez un rire étrange, qui est plus une succession de cliquetis. En vous retournant, vous voyez... qu'un cadavre rachitique vous observe. Ainsi, il y a encore de la chair fraîche qui surnage dans ce bourbier. Voilà qui fera plaisir à notre maître. Marcus Rex, deuxième. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maître? Est-ce l'esclave d'un magister? Le squelette éclate de rire, ce qui secoue sa cage thoracique et fait cliqueter ses os. Non, nous étions les prisonniers de Bracus Rex sur cette île. Ces jouets, les victimes de ces expériences inhumaines. Les bouffons en robe rouge cherchent ses inventions, mais ces idiots ne comptent pas à nos yeux. Hélas, notre royal maître est mort, nous le sentons pourrir là. Aujourd'hui, un nouveau maître nous a promis un avenir, et lui, nous le servons par choix. Par obligation. Putain, moi, je fais lien soit avec Fan ou Fane, je sais pas comment ça se dit. Soit c'est peut-être Alexander, leur chef. Moi, je pensais sinon à celui, justement, qui nous a filé la lance, là, et qu'on a été chercher le... Ah, Fanor. Fanor, ouais. Je pensais à Fane ou Fanor, mais peut-être je me trompe. Moi, j'hésite entre la 1 et la 3. Ouais, j'avoue. Enfin, les deux sont intéressants. Ouais, c'est clair. La 1, c'est plus pour montrer pour qu'on est dans le même camp. On n'est pas vos ennemis, ouais, voilà. La 3, c'est moins explicite à ce niveau-là. C'est... Ouais, je vais mettre que si vous vous battez contre les magistères, on est dans le même camp. Oh, pauvre imbécile. Les magistères ne comptent pas à nos yeux. Nous traquons les Adéides. Qu'est-ce que c'est que ça, déjà? Vous ferez un beau cadeau pour notre maître, ou du moins votre crâne. Je n'ai que faire du reste. Bagarre. Et écoute, ils sont quoi, ils sont 3, La promesse éternelle. Nous avons affronté des morts vivants squelettiques dans les marais. Leur précédent maître était mort et les avait laissés pourrir dans les marécages. Mais aujourd'hui, un nouveau maître des plus mystérieux leur promet un avenir radieux. Mais attention, il y a un tonneau de pétrole juste à côté de nous, les amis. Je pense qu'on devrait s'en écarter. Tout à fait, ils ont de la magie dans le caca. Ouais. Tout à fait. Ils ont l'air pour l'instant que deux. Bah, le lézard, c'est un bretteur, donc je peux pas qu'il y ait de la magie. Mais l'autre en haut, oui. L'autre en haut, oui, elle a deux baguettes de. En plus, elle est en hauteur. Ah, ouais, elle est en hauteur, la conne. Je vais m'éloigner un petit peu. Et je vais économiser mon petit point. À moins que je peux faire une hâte sur quelqu'un, si ça dit à quelqu'un. Bah, moi, je suis le. Bah, peu importe. Ou alors t'économises. Moi j'invoquerai ma créature à côté de du mâche pour la bloquer. Ok, donc je garde mon point dans ce cas-là. Non. Ouais, garde point. Bim, ouais, ils tapent déjà plus fort, hein. Ils font 22, t'as pris 20. Exactement. Ah la vache. Ils tapent plus fort déjà. Est-ce que.
Ah, j'ai pas la portée. Ah, je suis loin, moi. Je suis pas sûr qu'on est encore dans la zone du pétrole. Hein. Quoique, ça va peut-être au moins. Moins résistance à l'air qu'autre chose. Attends, ils sont trois, il est où le troisième? Ouais, je vois pas, je sais pas trop. Où vous voyez qu'ils sont trois? Bah, en haut, dans l'initiative, y'a un crâne avec des cheveux, y'a un lézard et un crâne sans cheveux. Ah ouais, bah, je peux pas vu là l'autre. Mais ça va être à lui, là, du coup, on voit ce pas. Alors, peut-être dû faire un encouragement tant qu'on est tous paqués là. Mais... Ah, y'en a ah, un! Il est caché! Ah ouais, le bâtard! Oh! Attends, mais assassin, ouais, c'est pour ça. C'est Ouna, Ouna assassin. Ah, ah il a pris un truc de métamorphe, c'est moi. C'est... Il a quoi? Juste invisible. Il a manteau en, manteau en caméléon, c'est un truc de métamorphe. Ah ouais, c'est pour ça, il s'est mis invisible, ok. Ouais. Un raclure. Est-ce que le chat, je peux le mettre sur près de la meuf? Non. Ah, je peux rien mettre en hauteur près du magicien. Eh ben écoute, créature. Il y a de la glace au pied si tu veux pour invoquer une créature. Tout à fait. Ou de la terre comme tu le sens. Du coup. Et du coup c'est bien parce que tu invoques ta créature, tu la buffes et juste derrière c'est elle qui joue donc c'est pas comme si tu ratais ton tour. C'est ça. Qu'est-ce que t'as comme armure mon ami? Bah t'as plus d'armure magique, tu m'as tué. Ouais, je lui ai éclaté son armure magique. Ah, il va faire explosion fossile, mais c'était sûr. Ah, mais fortification, d'accord. Je croyais qu'il allait nous péter à la gueule. Ouais, il s'est transformé en pierre. Ah ouais? Ouais. Ah bah ça y est. Mentalement. Ah ça va, il l'a pas fait exploser en feu. Mais bon, on est tous ralentis. Ah oui, mais on accroche la grosse zone d'explosion de pétrole. Wesh. Ça. En fait, elle a fait une attaque de terre, donc ça pouvait pas. Ça a juste fait péter le tonneau, mais ça a pas explosé. Ah, je suis surpris de la taille de la tâche de. Ah oui, pardon. Pétrole, par contre, faites gaffe au feu, quoi. Ouais. Alors, il a quoi comme. Moi, Darklou, à ta place, j'aurais. Vu qu'on peut pas trop la rejoindre, la conne, là, j'aurais fait les ailes et je serais allé la taper. Ah oui, parce qu'il y a pas d'échelle, y a rien, donc ouais, essaye de. Enfin, si, il y a une échelle. Non. Il y a une échelle je vois pas. Côté, ouais. Ah, si, côté à gauche, je vais y aller. Bah, c'est stylé. Je pense, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Ah, je peux pas aller en haut. Ah merde, ah oui, c'est vrai, ah, si tu te déplaces, mais tu. Ah, si, oh, stylé. Oh là là. Tu vas peut-être pas la taper. Si. Je peux faire piétinement guerrier au coup de tentacule. Tentacule, peut-être. Ça fait plus de dégâts. Ah oui. Bloqué par la roue physique. Bon, je la tape. Je vais continuer à la taper. Ça hein. Va pas marcher. Ma créa elle a l'agro. Il faudrait que je sois en haut. Par contre, bah, du coup, je vais faire hâte sur moi. Comme ça, je vais peut-être pouvoir me déplacer. Ah, oh, il a raté son attaque d'opportunité. T'as de la chance. Hein. Ouais. Ah, parce qu'il a une grosse hache. J'ai pas vu ce qu'il a fait comme ça. Ah, si, il y a une échelle là, ouais. En effet, j'ai pas vu. Sandwich. Ouais, c'est vrai. Ce match de pierre, je me demande si d'avoir des trucs de corps à corps. Dans cette situation dans Donjons et Dragons, vous aurez l'avantage sur vos jets d'attaque. Ouais. Tiens, toi, bouge pas. Ah bah, du coup, il s'est arrêté. C'est un ordre. Combien de PV il a? 26. Il y a encore l'invisible, on sait pas où est-ce qu'il est. Putain, je peux pas le tuer. Ah si, je peux le tuer. C'est pas grave si je tape un peu ta créature. Non, vas-y, jeter l'armure. Attends, je vais essayer d'éviter. C'est un Pokémon, hein, c'est il est aussi pour bouffer. Hein. Ouais, voilà, c'est classe. Bravo. Ouh, j'ai. Squelette grillé. Par contre, du coup, le mec il est devenu invisible, il était. On sait pas où il est. Bah, il a peut-être bougé, oui. Ouais, je sais pas s'il peut bouger. Ah, tu peux pas nettoyer tu peux pas nettoyer le boudron. Attends. Parce que là ça nous fait chier pour avancer c'est bon. Avec la pluie tu crois ça efface ou pas? Ça marche, je sais pas. Ça fonctionne là? Je sais pas où je t'ai demandé ça. Moi je voulais faire un encouragement mais j'avoue que j'ai pas les autres donc. Ouais vas-y la pluie si tu veux, après moi ça va pas. Moi je peux pas bouger mais. C'est le temps qu'on les rejoint. On va essayer, on va voir, on va faire le test. Est-ce que ça fonctionne? Ouais ça fonctionne. Ça a l'air de recouvrir un peu ouais. Voilà. Justement, vous embêter. Ouais. Je voulais faire un sort pour le démasquer, lui, genre essayer de me souvenir de là où il avait disparu et je pouvais pas.
Ah, mais je peux pas faire mon chat et puis me TP avec mon chat. Non, je peux pas le mettre en route. Non, je suis pas prêt. Je suis pas assez prêt pour le mettre en route. Mais tu peux quand même te rapprocher grâce au chat, non? Ouais, mais là je peux avancer comme ça. Ça te coûte pas de points d'action? Bah, le chat, ça me coûte 2 points d'action. Ah, de l'invoquer quand même? Ouais. Ah, oui, d'accord. Ah, oui, je pensais que c'était vraiment gratos, quoi. Après, je peux rien faire d'autre parce que le temps que. Bah, c'est pas, allez, je vais faire le chat. Je vais foutre ça. Ah, ça m'en. Ah, j'ai 3 cas, une invocation par. Ah, ouais, merde. Par combat. Mais bon, on le saura, ça. Bah, TP. Ouais, TP toi dessus. C'est pas autour du chat. Mais je sais pourquoi tu me dis. Ah, ok, mais il m'est mis sur le chat. Ouais, je vais faire ça un peu. J'ai un autre affaire. Tu peux pas aller changer ta place? Ah, c'est maintenant. Ah, ok, pardon. Ouais, du coup, c'est. Oui, ok. Je peux pas sauter en hauteur, c'est con, j'aurais sauté avec le chat. Ok, donc j'ai pas le droit de 2 invoques. Waouh! Waouh! Ça poisonne! Splouk, splouk, ça fait des bruits chelous. Je vais venir te soigner après, moi, Loz. Avec lui, moi, je peux la soigner tour d'après. Ah oui, c'est vrai. Ça va être le bordel, on va plus sur la d'armure physique. Et puis, c'est je vais, je vais lui envoyer chaîne de douleur. Allez hop. On va se battre sur un petit monticule. Ah oui, parce qu'elle a plus d'armure physique. Ouais. Bien vu. Boum. Alors, on va commencer par prendre ce secours. Ah, il est goldé, ça sent quand même. Beaucoup de merci. Merci, c'est bon. Je sais pas si je prends sang ou poison. J'aime bien les décors de cette zone, par contre. T'y crois au marécage, quoi, c'est mieux. Mmh. T'aurais pu regarder, du coup, les faiblesses de chacun en examinant. Mais sang, je sais pas à quoi ça correspond. Ils doivent galérer avec le feu dans les soins. Bon, l'assassin galère au feu. Le problème, c'est que si je fais du feu là. Le poison va exploser, je pense. Poison, ah ouais. Ça... Ouais, poison ça explose. Ouais. Ou alors je peux la faire sur la. Essayer sur l'assassin. Pour... Avec Darklo qui est juste à côté, à mon avis, ça va. Je pense que. Je sais pas si ça touche. Toi, ça va te toucher, toi, t'es juste au corps. Ok, ok. Ouais, je teste. Plus, bah, elle est une résus moins 10, donc. Explosion. Ouais. Ah merde. On m'étonne pas. C'est de la OE quoi. Ouais, bon, par contre, elle m'a bien dégoûté. On va pas mourir contre ton squelette, on a tué plein de magistères. Bah non, on va pas mourir. Là, c'est facile encore à arrêter. Oh, c'était fait dégueulasse que t'as sur toi, c'est. C'est une maladie, ça, je crois qu'il ah, fait j'ai ça. Quand même lenteur, hein, c'est quoi, ce merdier. Mais là, c'est quoi ce. C'est la maladie, je crois. Oh, c'est dégueu. Oh là 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 là, quelle horreur. Oh. Non, c'est putréfaction que j'ai. Oh, ça, avec potion de soin, vous inflige 100% de points de dégâts. Oh, c'est-à-dire que je peux pas me soigner. Je tombe de fatigue, je vais dodo. Ça marche, Itsuki, merci d'être resté avec nous en fond. Ah bah, bonne nuit. Bonne nuit à toi, ouais. Par contre, faut pas me heal. Faut pas te heal? Non, ça me met des dégâts. T'avais dit d'arrêter de bouffer tout et n'importe quoi que tu trouvais par terre. Personne. Bonne nuit, Itsuki. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vous encourage alors. Merci. Allez, moi je peux rien faire avec ma lenteur. Putain, ça craint votre truc là quand même. Oh là là, oh là là. Ouais, c'est du cool, coup, elle prend, moi, elle prend des dégâts si elle m'attaque. Moi j'avais un soin à faire là, mais ça servait à rien du coup. Putain, j'ai une maladie, putréfaction, hémorragie quoi. Et maintenant il va foutre les pieds dans le feu quoi. Putain, vous êtes tous moi, sur votre, les... petit... votre petite épave là. Moi je rejoins moi, pas. J'ai les ailes en feu. Ouais, j'avoue. C'est plus dur pour voler aussi. Mais... J'ai pas d'effet mode brûlure ou quoi, hein, j'ai rien. Mais... Non, parce que ça a bloqué ton armure. L'armure. Ton armure... Ah, ton armure magique a bloqué l'effet. Bon, ça a entamé ton armure magique du coup. Ouais. Moi, je vais faire mais du coup, le chat noir, c'est un peu dommage que. Ouais, je. Tu puisses invoquer enfin, qu'une créature. C'est bien quelque part quand même, je pense que c'est trop cheaté d'avoir 2 invoques. Oui, je vois. Après, il doit y avoir moyen que plus tard je puisse avoir. Peut-être, oui, vu que tu peux invoquer des totems. Après, totem, c'est peut-être différent de. Ouf. Il reste plus grand chose.
Mais le chat, c'est bon à savoir si j'ai besoin de me déplacer. Est-ce, ouais, que je suis sûr de ça. Est-ce que je suis sûr du sang, à votre avis? Est-ce non. que t'es sûr du sang? T'es sûr du feu. Feu. Bon, bah non, je peux pas... T'avais poison, donc c'est devenu du feu. Il y a du sang au pied de canette, c'est tout, mais... Il est malade, donc je te conseille pas de toucher le sang. Qui... je crois que là, le tour d'après, je me replie ailleurs, hein. je dégage. Il a les maladies, de la putréfaction, de l'hémorragie. Et là, tout... voilà, c'est ça. Il a tous les effets du jeu. Ouais, bah, je vais garder mon point. C'est limite une hérésie, moi je dis on va le tuer aussi. Hein. Ah, c'est au chat, le chat peut faire des trucs. Ah bah tu peux peut-être échanger la place avec moi, non? Je sais pas si ça marche. Non, je crois que c'est que lui et le chat. De deux, ouais, du coup. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est en plus, tu peux échanger que toi avec le chat, non? Ah ouais, avec son maître. Ouais. Oui, voilà. Ah ouais, donc ouais. Bah écoute, le chat il va se mettre au pied, il va faire miaou. Miaou. Voilà, c'était l'action du chat. Encourage-nous. Allez, c'est lui. Le zombie. À moi la gloire, ouais, voilà, bah c'est plutôt la lâcheté là. Ouais, ouais. À moi la gloire, je m'enfuis. Ah, c'est ça. Okay, en vrai, je sais même pas si je peux les avoir de quelque part. Si je me mets là, j'ai la cithare dans les oreilles là. Qu'est-ce que tu vas faire, l'assassin? J'en ai rien à foutre. Il s'est mis dans ton dos. Ça pique à peine. Mais ouais, je trouve on est trop fort. Par contre, contre des golems et des conneries, on dira peut-être pas ça, mais... Ouais, je sais pas. Des dragons, j'en sais rien. Feu au air, ok. Mais ils sont toujours level 4 au final, hein. Ouais, c'est plus profond dans la zone, je sais pas. Kamehameha. Ah ouais, t'as fait du sang électrifié, tout ça, c'est tellement classe avec avec la vapeur de sang électrifié, c'est stylé. Ah, ça vous a touché? Non, c'est une préparation. Qu'est-ce que ça fait? C'est un truc de terre en dessous. Oh, mais c'est... Elle a tué son allié. Ridicule. What? C'est quoi cette mort de merde? Bon, en fait, elle t'a tapé avec le lien, c'est tué tout seul. Oh, c'est trop classe. C'est nul à chier, le truc. La nullité. Rassurez-moi, je vous ai pas touché avec mes sorts, moi. Non, je crois pas. Ok. Non, ça a pas l'air, ils ont pas d'effet des touch-up. Oh, c'est naze. Et comme vous disiez, le sol... Oh, merde. Ah, ils t'ont fait barre pas vite, toi. Tu vas faire des... pour ta paillasse ou quoi? Flèche empoisonnée, je les envoie à Séville. Attends, je te fais du soin pour enlever le feu. Je suis passé par enlever le feu. C'est bon, merci. Ça, ok, bah écoute. Lootez voir, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de jeux là-dessus. Pas grand chose. Non, moi j'ai une ceinture de terrain ancien. 6 d'armure physique. Ah, moi j'ai plus 10% résistance à la terre, plus 10% résistance au poison. Ah, avoir des résistances, c'est stylé. Mais je vous laisse, ça m'intéresse. Non, mais ça m'intéresse pas. Bah écoute. Je l'ai envoyé à Ifan. Ouais, bah du coup, moi je vais regarder éventuellement. Et la mule, tu veux prendre ça dans tes sacs? Est-ce que on n'est pas allé voir par là-bas? Ouais, il y avait un truc en bois qui monte, ça va dans une autre zone, un autre chemin en fait. Ouais, mais du coup, il y avait une autre chemin à explorer ici. Qui était avant, parce qu'on a tracé directement pour remonter, mais il y a une zone. Ouais, je sais pas, moi j'avoue que je suis un peu perdu là-dedans. C'est... Bah, on vient de derrière nous, et il y a un truc qui va à gauche, ouais, et un truc qui va à droite en fait. Mais disons qu'il y a moins de repères que dans les endroits où on était avant, là c'est vraiment. La jungle, on va dire, enfin les marais quoi, donc je vous Dieu suis. Dieu de la sauvegarde, entre ma prière. Oui, je me joins à toi pour prier le dieu de la sauvegarde. Je crois qu'il nous a entendus, c'est bon. Il nous a entendus, j'ai l'impression. Ah bon, mes amis, il y a du feu, Ifan. Votre pluie. Ça crame. Où ça? Oui, mais j'arrive. Vous êtes en haut, je vais vous chercher de l'autre côté, moi. Oula, oui, effectivement, un beau feu, là, attendez. Je vais éviter de mettre les pieds dedans, quand même. Bon, si l'écureuil il se lie à moi plus tard, c'est cheaté si j'ai autant de trucs. Hein. Ah, moi j'aimerais bien que mon sort de communication avec les animaux serve à quelque chose. Ah oui, mais il va loin ce feu là, attends. Ah bah oui, il y a un problème là, il y a toute la zone qui veut. Attends, j'arrive pas à voir ma zone jusqu'où elle va. Au pire, tu peux en faire plusieurs. Enfin... Ouais, tu les... Que la pluie est une flamme. Que la pluie soit. Attention, attention. Ah bah, feu magique. C'est revenu.
Mais attendez, il y a une plante au milieu, bulbe toxique rouge. Je me demande si c'est pas ça qui fout la merde. C'est possible. Parce que tu peux pas l'attaquer à distance. Herboristerie. Qui connaît cette plante? Tu peux TP quelqu'un? Non, mais elle est... vous la voyez pas là? Attendez, comment on ping? Je sais pas. Pas trouver. Bah attendez, je me le... Ah oui. Peut-être me la faire au pire. Ah, tu peux la taper? Là. Voilà. Ça lui a rien fait. Ça a juste fait un nuage électrique avec du feu. Voilà. C'est dangereux. Ah mais le feu grandit là, non? C'est magique. Oui, ça grandit. Ah oui, le... Ah oui. Et il revient. Ouais. Bon, on va peut-être pas passer par là. Par contre, le bulbe là, ouais, il veut pas disparaître quoi. Je retente une pluie. Vous voyez pas le bulbe là? Feu, mais elle est sur, si, je l'ai pingué tout à l'heure. Moi j'étais... Bah ouais, c'est bizarre ici hein. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller hein. Ouais. Moi j'ai vu que j'avais Xelander là pour ma quête un peu plus haut. Après est-ce qu'on cède vraiment de la map? Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, c'est ce que je me disais, est-ce qu'on cède de la map? Bah moi j'ai vu qu'il y avait... quand j'ai dit qu'il y avait des chemins, j'ai pas pris la map. J'ai dit qu'il y avait un chemin gauche. Je pense que c'est mieux, à la limite quand on a exploré toute la zone, ouais on peut prendre la map, mais avant ça je pense qu'il vaut mieux. Ouais, pas sur le côté, peut-être qu'on va rencontrer le maître de... Il y a un chemin à gauche. Où allons-nous là? Il y a des personnes qui vont des côtés opposés. Non, moi, là, mettons-nous d'accord. Non moi on est tous là. Ah bah j'ai vu un point vert qui partait... qui était ici moi sur ma map. C'est pas moi. Donc je sais pas ce que c'était. Non mais après il a disparu donc je sais pas. Seul. Est-ce que nous continuons la direction? Parce que point vert, c'est normalement ils sont bleus nos points. Oui, vert ou bleu. Dans la direction de nos attaques. De moi nos je les vois vert sur ma map. Peut-être daltonien. Dans quelle direction du coup? Moi je sais plus d'où on vient, je sais plus où on va. Je vous fais confiance, je suis pas du tout dans mon état. Dans mon avis de monter là. Milieu naturel là, je vous suis. Moi je serais plutôt d'avis de partir là. Étant un marin, je suis pas non plus dans mon truc. Hein. Ah, oui, peut-être. Qu'y a-t-il ici? Point de passage découvert. Oui, c'est quoi cette statue? Utiliser la touche de voyage par point. Pour TP quoi. Il y a un chemin à gauche aussi. La série un peu. Là, oui. Ok, bon. Ah, quelqu'un qui lit. Bah, j'allais lire, ouais, mais du coup, tant pis. Excuse-moi, du coup, je pensais le passé vu que c'était pas. Non, mais c'est aussi parce que ça a parlé. Non, mais tant pis, on s'en fout, de toute façon, c'est juste un point de TP. Okay. Ou donc un chemin, vous dites, vous disiez? À gauche aussi, là, il y a un chemin. Ça, ça part sur la gauche. Oui, par là. Oui. Mais il y a un pont, je vois un pont. Bah, ça rejoint. Mais je sais pas si. Ah, mais c'est ça pour rejoindre Forgevog, d'accord. Donc, Ouais, c'est ça. Et il y a le port à côté, en fait. Ah, il y a un panneau. Mais du coup, il y a un panneau et ça. Non, ça va. Il y a quelqu'un à droite. Oui, bah oui, du coup, on le voit sur la map, là, pour le coup. Est-ce que nous allons lui parler? Bon, moi j'avance tu de rien. Bon, moi j'ai besoin de parler. Ah, c'est ton pote. Je regarde ce qu'il y a sur le panneau. Des lettres gravées au couteau indiquent Marais Exang sur un panneau maculé de sang. C'est pas ouf. Mais du coup moi je vais parler à... Monsieur avec une carriole. Un compagnon c'est bien. Bonjour monsieur. L'homme encapuchonné dégage une impression de menace presque égale à la vôtre. Il redresse la tête et sa capuche tombe en arrière, révélant le visage osseux d'un mort-vivant. C'est moi ça, non? Ouais. Ouais, pardon. N'ayez pas peur de moi, petit être de chair fragile. Il y a même plus dangereux que moi dans ce pompier. Vous, par exemple. Oh que oui. Je reconnaîtrai ce joli minou entre mille. Dommage que ces maudits lézards l'aient tant abîmé. En revanche, cette cicatrice magique est une véritable œuvre d'art. Bon, toi, tu veux mourir? Mais te drague. Dites-moi, vous êtes juste forcé à enfoncer vos dagues dans le cœur de toutes les cibles qu'il vous a indiqué? Ou bien vous êtes-il aussi obligé à vous balancer une liane comme un guenon au moindre de ses ordres? C'est qu'il a toujours eu un sens de l'humour très sûr, votre maître. Ah, je parle pas comme ça. Bonne soirée, Sasuke.
À la 3, on sait pas qui c'est ton maître, par exemple. Ça peut t'aider. Ouais. On sait pas du tout. Alors, il a prononcé le mot magique. Que sais-tu au sujet du maître ? Ce monstre que se murmure à son sujet. Mais croyez-moi, j'en entends des chuchotements. J'ai envie de te parler de vous, Sibyl. Est-ce que vous pourriez me raconter ce que vous avez appris ? La 2 était violente. J'ai bien peur de devoir refuser. J'insiste. Je m'y connais pour ce qui est de faire parler des gens. Genre normaux, peut-être, mais pas moi, Sibyl. Je me nomme Zalaskar. Je suis un loup solitaire, et tel vous me voyez, je suis plus vieux que les ruines des hommes. Pensez-vous vraiment pouvoir m'intimider? Oh, t'as pas d'éloquence, toi. Ah, plutôt dextérité, ouais. A priori. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, loup solitaire, ça me parle, moi. Ça devrait me tout à fait, ça. Ouais, c'est toi aussi. Mais... Ah, il y a aussi la force, mais ça, j'ai pas de force. Vous n'êtes pas aussi mort que vous le croyez, puisque vous avez tout de même été capable de reconnaître ma beauté. N'a-t-il... Enfin, ne vous... je vais y arriver. N'avez-vous pas envie de vous montrer ? Très courtois envers une dame, comme il dont vous attachez probablement le faire autrefois. Ah. Échec d'éloquence. Votre éloquence 0, Rocky 4. Ça fait 0, je vais le faire. Compliqué. Échec critique. Voilà, c'est ça. Votre naïveté est délicieusement touchante. Même lorsque j'étais de chair et de sang, la courtoisie n'est pas ce qui motivait mes relations avec les dames. Je leur faisais tout autre chose. Voulez-vous que je vous montre? Ok. What? Ouais, la vache. Okay. Alors, il fan. Bon, je verrai si je vous dis un truc. J'ai vu un truc sur le net par rapport à ce personnage. On verra si on le tue. Mais masse armure magique, masse armure physique, masse PV. What là c'est pas rigolo le mec. Quoi. Voilà, bah vous l'avez vu. Niveau 8 marchand. C'était un marchand. Dommage. Ah merde. Merde. Et ils vendaient. Bah, pas grave, on va loot ce qu'il vend. Non, je crois pas qu'on a assez à son commerce si on le tue en fait. Oh, c'est chaud. Ah merde. Ce serait cheaté sur ma carte. Oh, c'est chaud. Bon, ah ouais, là, c'est chaud là. Au pire des cas, il nous tourne en recharge. Je vois pas pourquoi, en fait, certes, c'est un échec critique, mais je vois pas pourquoi il l'a pris mal au point de nous attaquer, tu vois. Ben, c'est. Je vois pas en quoi il a été. Elle lui a dit. Oui, mais je veux dire, je vois pas en quoi il a été offensé, tu vois. C'est juste qu'elle a essayé de lui faire de la tchatche et puis c'est tout, quoi. Ouais, moi je sais pas. Je sais. Je trouve ça pas c'est très motivé. C'est passif peut-être des loups. Je trouve ça pas très motivé de qu'il nous attaque comme ça. J'aurais très bien pu dire, ouais, bah je vous dirai rien, et puis voilà, quoi. Bon, ça va être Ah merde, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder les soins, alors qu'on a déjà pris quand même des dégâts. Pas de matière autour de lui, là. Il y a combien en physique ? Ah, vous êtes gelé, vous, déjà ? Ah non, coup de froid. Moi, non. Non, coup de froid. 188, je vais invoquer Terre pour voir le tapis physiquement. Ah ouais ? Et il y a moins. Ouais, moi je me suis dit que le heal là, vu que ça va être un combat assez long, ça va plus être. Bah, j'ai un combat de heal, j'ai un sort de heal aussi. Ouais, mais au bout d'un moment ta créature va disparaître, tu pourras réinvoquer, non? Mmh. J'ai quoi en terre? Tourbillon. Donc, du coup, c'est un marchand lui, et il vend des trucs de ouf? Bah, ouais, il est niveau 8, il vend des. Parce qu'en fait, j'ai vu un stream où le joueur il était là, il a ouvert le truc marchand où il y avait des trucs sympas. Voilà, tant pis. Bon. Après. Est-ce que je mets mes ailes? Le truc, c'est qu'on a vu en fait Zaleskar, du coup, c'est automatiquement Kanet qui allait lui parler parce qu'il savait que c'était un PNJ de sa quête, quoi. C'est pour ça que j'ai rien dit non plus. Ce qui est logique. Ouais. Non, mais on a fait un peu de méta, parce que peut-être qu'on savait pas qui il était en vrai. Je sais pas si on le connaît physiquement, tu vois. Moi, je savais juste que c'était un loup solitaire. Après, c'est avec du fait qu'il est affiché sur ma map avec un marqueur de quête. Oui, voilà, c'est ça le truc. On a trop d'indications pour. Est-ce que je prends mes ailes? Je vais prendre l'intérêt. Bah, c'est pas nécessaire, je pense, honnêtement. Bah, c'est juste qu'il faut ça donner 3 PA pour que j'aille au cac avec lui, quoi. Bah, charge de taureau. En toute logique, on devrait mourir, hein. Il a deux fois plus de niveau. Enfin, il a vu sa vie et son armure. Bon, je suis pas sûr qu'on meure, hein. On a du heal. Hein. Je sais pas.
Comment on fait déjà? Ah oui, je pensais que t'étais à la place de Sébille en fait. Ouais, t'es un peu loin. En plus, il y a de la glace, j'espère que... Ah, il est juste... hors portée. Voilà. Alors tu fais des petits pas sur la glace. Ouais, tu fais un petit pas, mais en essayant d'utiliser... Des fois, il y a des petits pas qui font 0 PA. Parfois, ça dépend combien de temps. Je peux pas, y'a rien... Ok. Ça me... tout coûte un PA. Ouais. Ouais, j'ai peur que tu tombes en plus. Forte chance que c'est peut-être lié à la dex quand tu casses les deux, je crois. Je vais me déplacer sur le côté, peut-être. Mais tu pourras pas le charger, du coup. Si. Si. Si, si, ça coûte que 2. Ah, ok. Je peux me déplacer 2 PA, ici. Ah oui, bah oui. Et merde. Ouais, le problème, c'est que ça prend la diagonale d'office, ouais. Ça te fait pas un contour. Ah, il a TP ta zone. Oh, putain. Ouais, déjà, je m'attends là-dessus. Et ouais, il va nous fumer, je pense. T'as plus que 16 points de vie. Ah oui, j'avais pas vu. La vache. Il va nous fumer, fumer en vrai. Je peux fuir. D'ailleurs, le jeu me dit de fuir. Ouais, t'as pas soin là ? Si, je peux me heal, mais. Ouais. En vrai, il va nous bouffer. Mais il se passe quoi du coup s'il nous tue ? Bah, on doit recharger. On doit recharger, ouais. Ah du coup ça doit pas se passer comme ça normalement? On n'est pas censé se battre avec lui? Si c'est impossible de le tuer. Il y a peut-être un truc qui fait que... Ah ouais, t'as vraiment... Oh mais là t'as vraiment fait 0 sur 4. Bah ouais, mais il a pas d'éloquence, mais... Ouais voilà. Du coup il aurait fallu que ce soit moi qui lui parle, mais c'est pas moi qui l'a à faire, donc c'est bizarre. Mais ça je suis pas sûr que ça vraiment... Parce que dans le tout premier niveau dans le bateau t'es un test d'éloquence, moi je l'ai réussi avec ma dextérité hein. Alors que ouais, mais c'est parce que c'est aléatoire. C'est... Oui, voilà, tu le tentes, quoi. Tu le tentes et voilà. Ouais, mais est-ce que c'est obligé d'être toi qui lui parle pour faire ta quête? Bah là, comme Pidi a dit, on l'a laissé faire parce que c'était sa quête. Donc... Ouais, voilà. De toute façon, oui, on a... réflexe naturel. Bah, je pense qu'il va nous bouffer. Donc, oui, c'est clair, on lui fait que 17 et quelques. Je suis pas d'accord avec vous, les amis. C'est bien d'être optimiste, hein, mais... Déjà, je soigne Sébille. Déjà baston de requin. Sachant que je me suis déjà soigné. Ah bah t'inquiète. Ouais, bon, j'avoue, ça te rend pas ouf non plus. Ensuite, je peux vous encourager éventuellement. Allez les copains. On est trop fort. T'as combien d'armure armure 17, 23 et moi. 8 sur 28. Moi je suis 52. Ah, mais dwarf. Hein. Est-ce que je l'attaque ou j'essaie de rendre de l'armure magique là, à quelqu'un? Pour moi, faut le focus, mais bon, après. Si vous voulez, je peux le téléporter, genre entre bah, Darklou et au sol, malheureusement, mais entre Henri et Darklou, non? Genre. Ouais. Je le rapproche, quoi. Genre, je le mets avec nous dans la glace au corps à corps. De toute façon, c'est un distance, donc qu'il soit au corps à corps, ça nous gêne pas, nous. Mmh. Allez, il sera au milieu de tout le monde là. Il vient ici raclure, dans la glace en plus. Ça lui fait des dégâts en plus. Pas moi. Ah, t'es encerclé maintenant, rends-toi. Si je fais ça vous touche? Non, ça fait une zone de juste à ses pieds. Ah oui, j'ai peur, j'avoue, si tu fais. Quoi que ça va, c'est de la glace. Ah, ça peut électrifier. Ah non, attends, mais attends, j'ai une nuit de moustique. Hop. T'as pas un truc toucher pétrifiant ou je sais pas quoi? Aussi, je peux le faire aussi. Hop. Enfin, j'ai vu ce que ça fait, hein, je sais pas si... Oui, de toute façon, j'allais dire. Ah oui, c'est magique par contre. J'ai un soin, tu veux encore un soin? Bon, ça va, je pense. Non, t'as 109 sur 130. Sachant qu'elle va. Moi, faudrait continuer à baisser son armure physique et je vais lui mettre mon lien. Une fois que ça sera ah oui, moi, de toute façon, je vais le renverser avec mes flèches si j'essaie de. Comme si ça, s'il continue à me taper. Nice, l'attaque d'opportunité. Il va où là? Il va revenir retourner à Forgeoir. Il me tape moi. Oh, okay, ça va. 54 il a fait. Ah, tu vois, le heal du coup, il a eu mon deuxième tick de heal Kenneth là. Ça l'a mis bien. Ah, il a plus d'armure physique. Oh nice. Nice. Mon tour. Ça va pas le réveiller hein, si je lui mets des trucs dans la gueule. Je sais pas du tout. Du coup. Je pense pas, j'espère pas.
Ouais, non, de toute façon, on fait parce que. Ouais, vas-y. C'est vrai. Mais là, j'ai mis un. L'armure de givre, faudrait que j'enfile sur quelqu'un quand même. Ah, il a plus d'armure, il a plus d'armure physique. Nice, mmh. Je vais ouais, lui foutre disais, pour, ouais. Mon lien. Magique 17, 23. Le 28. Vous savez quoi, je vais me remonter mon armure magique. Sorry, je suis égoïste. Mais... Eh, ça rend pas beaucoup, je pensais plus. Ah oui, 34. J'ai 62 d'armure magique. What the fuck, c'est pas normal, quoi. Pourquoi il marquait 62 d'armure magique? Jamais ça, moi. Je sais pas. 62, what the fuck. Alors. Perso, tant qu'on fait le combat, ça emmerde un peu, tu vois, un marchand, quand même. Ouais, mais on va pas charger à chaque fois qu'on fait un truc. Non, non, mais c'est vrai, non, mais non, mais je dis, on assume, mais ça m'emmerde, quoi. Oui, oui, c'est un peu dommage, oui. Moi aussi. Tu es un marchand, parce que bon. Peut-être qu'il avait des trucs de ouf, mais ça a tourné comme ça, quoi. Ah, j'avoue, j'ai pas fait gaffe, j'ai vu trop tard que c'était un marchand, mais bon, je dis, je voulais rester. Non, mais c'est t'as tapé sur Henri, je crois, non? Non, je l'ai tapé. Non, okay. Je l'ai attaqué. Okay. J'ai vu. Non, c'est parce que j'ai vu les chiffres, j'avoue, qui ont. Je me suis mis là pour. On est en train de lui attaquer. Ah ouais, je me suis mis là pour le bloquer quand il va se lever. On est bien là quand même, hein. On va le niquer, hein. Je peux rien faire d'autre, je pense. Bon, petite info comme. Enfin, je vous dis juste ça comme ça, moi à la base, je comptais stopper à 23h. Ah ouais. À minuit, d'accord. Je vais peut-être prendre ma potion d'armure physique. T'as rien d'autre de mieux à faire? Tu peux plus taper? Non. Ouais, j'ai ton coin pour le tour de prochain, au pire. Ouais. Ou alors tu t'approches de lui. Mais j'ai ou plus d'armes. Oui. Je vais peut-être ouais, me rapprocher. Oui, parce que je veux aussi envoyer ma créature sur lui, donc. Voilà. Ma créa va se foutre là, déjà. Oh, je vais directement le taper. Ouais, tu vas peut-être le renverser, Darklou, ça influe sur quelle armure renverser? Physique, mais je peux le renverser là. Ça déjà. Peut-être qu'il m'en guerrier, ouais, c'est armure physique, il n'en a plus. Ah, c'est cool. Je peux réessayer après de renverser. Je vais essayer de le renverser. Ah, bah c'est bon ça. Full control. Qu'est-ce que tu vas faire? Il voit pas le jour, lui. Mon tour. Ah merde, là ce que j'ai par contre c'est un peu trop. Vous êtes un peu trop près. Ouais, quoique je peux faire ça. Non, d'abord ça. Bon, j'essaie de lui baisser son armure magique, mais c'est compliqué. Hein. Mais vu qu'il a plus d'armure physique, on peut le... On va tanker. Ouais, vous avez. Il faut V-moi, on va tanker. Merde, je suis con, je suis pas. Ouais. Il a plus d'armure physique, je le tape. Vu que c'est qu'une cible, ça va, en fait. Alors, piétinement guerrier, il est encore renversé, donc je vais pas le faire. Ouais, non, je pense pas. Non, non, je vais mieux garder. On va l'écraser. Sachant que je peux refaire un renversement le tour d'après. Hein. C'est cheaté. Ouais, bah c'est ma flèche renversante, mais là c'est la dernière. Ouais, après, c'est ce que j'ai en fait, le fait qu'il soit tout seul, ça nous simplifie la tâche en fait. Passage à tabac, on va prendre lui faire. Ouais, lynchage quoi. Et c'était quoi ta quête par rapport à lui, Kenneth, du coup? C'était le fait de vouloir retrouver mon maître pour le tuer. Du coup, on l'a pas. Peut-être qu'il aura un truc sur lui, je sais pas. Ah, ouais, j'espère, parce que sinon là on aura pas d'infos si on le tue. Parce que ouais, ta quête est caduque, du coup, sinon c'était le seul gars qui pouvait filer les infos. Moi j'ai rien d'autre. Ouais, j'allais dire, parce qu'au final, vu que c'est un mort-vivant, je peux même pas manger un bout de sa chair pour. Ah, bah oui, ouais, j'avoue. Le rogner à nonos, c'est tout. C'est ça. C'est le chien. Ah, tu. Ouais, peut-être que oui, il aura. Voilà. Oula! C'était un truc pour voir si ma créature pouvait vous toucher. Apparemment non. Apparemment non. J'ai mes tourbillons donc. Ok, je vais en savoir aussi. Il n'y a pas de friendly fire avec la créature. Il se relève. Il s'est relevé. Ah, il s'est relevé. Mais ça tombe trop bien. Juste après nous, tu joues. Renverse-le. Couché, bonhomme.
cette tactique d'enfoiré, nous on le tape et tu le remets par terre. C'est vraiment un passage à la tabac, en effet, comme tu dis. Alors moi là, je pourrais éventuellement... It's over. Ah, mais il a toujours de l'armure magique. C'est vrai qu'on le laisse pas respirer. J'ai un truc, mais je vais vous toucher. Donc j'essaye vraiment de la jouer. Je tente un truc, j'espère ne pas vous toucher. Non, c'est bon. GG. Pas impression. J'ai bien placé, ouais. De la nécromancie. On met tout là, de toute façon, voilà. Alors, comme quoi on est trop fort, même un mec niveau 8 là, on ratatine. Ouais, mais là, on a pas de chance que l'initiative lui a tombé quoi. Ouais, on tape. Tout seul aussi. Bon, je vais lui remettre un coup de total, hein. Allez hop. Bim. Il me reste 2 points. Créature. Je sais pas si je les garde ou si je fais cœur d'acier. Confère 21 d'armure physique. Wow. Bon, tant qu'il est au sol. Il a l'air d'attaquer plus en magique en plus. Tu peux faire une attaque classique du coup si... Non ? T'as combien de réactions ? Ah oui, si, je peux. Tu peux juste le taper avec ton arme. Voilà, speech. Voilà. Moi je fais pareil, coup de griffe. On va l'avoir à l'usure. Ouais. Moi j'aurais pas touché un pet de sa vie vu que je tape que dans l'armure magique. Toi t'es à côté, allez défonce-le. Ça c'est un peu chiant pour moi parce que je suis pas le seul mais je suis... Allez c'est bille, encore ton renversement. Non j'ai plus de renversement là. Ah oh. Ah. Bon il reste presque rien. Oh critique ah. Critique en critique. Handicap. C'est la première fois que ton meilleur t'en fait un je crois en plus. Ça lui fait quoi? Il a pris là les dégâts je crois. Ah il a quand même un effet attaque par le flanc. Moins 10% par ennemi adjacent au-delà du premier. Oh mais il a 52. La vitesse de déplacement, moins 100%, esquive, moins 30% aussi. L'handicap ça fait. Quand même hein, on l'a bien tapé hein. Oh là là, ouais, ouais. Je vais me faire un petit coup de hâte sur Kid du coup parce que là il va mourir au prochain tour. Il reste quoi de points de vie? 52 ouais. Franchement tu peux même passer. Il y a tout il y a Macri là et puis il y a l'os. Donc ouais. Bon allez hop, pour le fun je me mets sur moi. Du coup ouais, je disais, je suis un peu comme un con moi parce que je suis plus ou moins le à peu près le seul qui fait des dégâts magiques en fait dans l'équipe. Ouais bah... Du coup... je peux téléporter quelqu'un. Non bah je passe mon tour, ça va rien. Je vous laisse le terminer. Là franchement on va le finir. Magie le pauvre. On va le finir, mon arme elle est ridicule mais je suis tapé quand même. Toi tu vas le finir, il a 30. Voilà. C'est bon. Attaque normale, je crois que c'est bon. 27-29 avec mon coup de tentacule. Ah, mais tu fais ton attaque normale deux fois, je pense que c'est good. Hein. Ah, voilà. Niveau supérieur, 2900 d'XP, putain. On level up sur un PNJ marchand, quoi. C'est la honte. Ah, c'est lui qui a cherché la merde. Hein. L'heure de la fouille est arrivée. Qui a loot là, du coup? Ah, mais c'est un marchand, il y a moins qu'il a. Du coup, c'est moi qui. Dis-nous. Alors, il y a un haut de choses d'alchimiste, donc un jambière, 7 armures physiques, 30 armures magiques. 30 par contre, nécessite intelligence 12. Ah bah moi je peux. 30 armures physiques magiques. Ah non, j'ai pas. Donc ouais, donne à Ifan. Ensuite, un bâton, maître des marées, qui fait des dégâts 15-18 d'eau, qui nécessite d'intelligence qui donne plus 1 d'intelligence qu'à 150% de dégâts critiques qui confère la compétence couture arcanique et bâton de Magus. Bâton de Magus, c'est l'arme. Bah, de toute façon, c'est un truc de mage, ça c'est pour moi aussi. Oh là là! Ensuite, tranchoir de taille, hache à deux mains. Oula! 150% de dégâts critiques, plus 1 dans force, plus 1 en art de la guerre, qui nécessite force 11, qui confère la compétence au cœur de la mêlée et la totale. T'as pas donné les dégâts qu'elle fait? 17-19 en physique. Yes! C'est pour Darko, elle a deux mains aussi. Ouais. Yes! Ensuite, livre de compétences, couteau à dents. Ça, par contre, ça doit être fripouille.
Ok, donc c'est personne, aucun d'entre nous. Moi, je te l'envoie pour la vente. Il y avait pas quelqu'un qui a un équipement qui Moi, oui, mais. Ensuite, un cœur flétri, donc ça doit être pour que je le mange, je suppose. Ouais. Non, je l'ai plus. Oh là 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 là. Ensuite, collier vert, 9 armures magiques. Collier, c'est une amulette, genre. Ouais, c'est pour mettre à la place du collier anti-source. Ok, ça donne pas de bonus plus que ça. Bah moi je le veux bien, non. Si jamais je... Ah oui, c'est vrai qu'elle a rien, j'ai rien en armure magique, j'ai 17. Ensuite, un anneau ocre, 8 armures magiques qui donne plus 1 en nécromancien. Oh bah, pour un nécromancien. Ah, je pourrais apprendre mon sort comme ça. Ouais, vas-y. Ok, et ensuite, plus 4... Enfin, 4 parchemins de résurrection. Oh, un chacun, bah parfait. Bout d'enfoiré qui défile sur le marchand, quoi. Par contre, je sais pas comment je le sens. Eh ben, je suis bling bling, hein. J'ai 2 anneaux, j'ai une amulette. J'ai... Oh là 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 là. Alors, c'est quoi au cœur de la mêlée? Oh putain, j'ai un string léopard. Hein. Yes. What? Non, mais genre, c'est une jupe en peau de léopard un peu. Stylé. Je vais envoyer un cœur de. Oui, magnifique. Merci. Parchemin de résurrection chacun. Et du coup, moi, je vais consommer mon. Cœur noir là. Ah, ah oui, alors pas, attends. Hein. Attends, le bâton est stylé. Attends, j'ai une compétence du coup, c'est quoi? Rend à la cible la totalité de son armure magique, supprime gel étourdissement. Putain, c'est ouf ça. Cheaté. Mais elle est énorme cette hache. Ah oui, tiens, faut que je regarde ça. Ouais. Mais regardez-moi ça. Oh, mais c'est une hache de Monster Hunter que t'as, ouais. Attends, je vois pas, attends. C'est hallucinant. Attends, je vais voir ça. Je me mets dans la lumière. Oh putain, ouais, attends. Ah, t'as bougé, je te vois plus. Oh, stylé. Ah, c'est Monster Hunter le truc. Oh, la dégaine et tout. Oh, elle est vénère. Trop classe. Elle se balade avec sur l'épaule et tout, la classe. Oh, regardez mon anneau qu'on voit pas. Du coup, moi je vais manger mon cœur flétri. Ah ouais, c'est pour ta quête. Alors. Le cœur racorni de Zaleskar est dur à mâcher, et son goût est si immonde que vous sentez les larmes vous monter aux yeux. Vous le voyez assis près d'un feu de camp en compagnie d'une bande de loups solitaires, riant lorsque le chef de ces derniers leur raconte une histoire. Rost est le nom du chef. Avec vantardise, il raconte comment il vous a attrapé et conduite jusqu'au maître. Vous devez retrouver Rost et avoir une petite discussion avec lui. Et je tue. Ah, donc tu progresses quand même dans ta quête. Ouais, c'est ça cool, me semble. Ouais, c'est cool. Bah, ça me paraissait un peu bizarre sinon. Donc Rost, retiens bien ce nom. Bon, on a du leveling aussi, les coupings. Ah oui, ah, oui c'est vrai. Ah oui. Attendez, parce que du coup, j'ai changé mon fut, moi, du coup. Parce que personne ne peut l'apporter sinon, le truc 30 armures magiques, là. 12 intelligence. Moi, non. Ah, si, je peux avoir... Je peux, si je mets un point en intelligence, je peux l'apporter. Ah, faut que tu distribues un point, est-ce que tu comptes le faire? Bah ouais, quand même. Ouais. Mm-hmm. Parce que moi, je sais pas si c'est... Bah, tu me diras, ça me booste quand même, mais... C'est sur l'intel, les dégâts des sorts, j'ai oublié, c'est ça, hein. Oui. Tu t'as quoi comme pantalon, toi, Darklaw? 11 armures physiques, 3 armures magiques, plus 3% d'esquive. Ouais. Je sais pas, c'est vrai que... Bah moi je sais pas si... Après t'as combien d'armure magique là, comme ça? 17. Ah oui, t'as pas énorme. Même moi je suis à 28 si je retire... Je t'envoie l'autre pantalon là, si tu veux. Je te l'ai envoyé. Oh, c'est trop classe. Je vais mettre un en intelligence. Hop. Et je t'envoie. Oh, stylé la robe. Enfin, le truc que ça te met là. Avec les crânes à la les os à la ceinture là. La plume. Oh là 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 là, je suis totalement guerrier. T'es trop stylé. J'ai un sort de nécro complètement pété, moi, à prendre. Il inflige à 36 à 40 points de dégâts. Il inocule d'une maladie à la cible et aux personnes proches. C'est quoi que t'as mis toi, Henri, de quoi tu parles? C'est l'anneau, moi, que je m'as mis. Ah, ok, là, j'ai un sort que je peux apprendre maintenant, du coup. Ouais. Il fait 36 à 40 points de dégâts, ce qui est ouf.
il donne une maladie à la personne et aux personnes autour. 36 à 40 points de dégâts. Et ils perdent de la constite et c'est... ils infligent des dégâts réduits. Ah putain. D'accord. Et en fait, l'arme, elle me donne la totale et au cœur de la mêlée. Et en fait, au cœur de la mêlée, il faut un point de source. Ouais, moi aussi, le truc couture arcanique, là, il faut aussi un point de source. Non, faut vraiment qu'on n'ait plus séquelé. Du coup, moi, j'ai changé de pantalon, donc quelqu'un veut récupérer le mien. 5 armures physiques, 4 armures magiques, 2 initiatives. Est-ce que c'est mieux que ce que t'as, Henri? Toi, t'as pas un truc de ouf, Henri, je crois. J'ai 6-4. T'as 6-4. Mais il a pas de bonus à côté, il a pas d'initiative. Ouais, par contre, voilà, t'aurais plus 2 initiatives, c'était le même dilemme que tout à l'heure. Je perds un point de physique, c'est pas grave, moi, je trouve. Si, ouais, tu peux faire l'initiative. Ouais, ouais. Vas-y, moi, je t'envoie. Je change de futage. Hop, après, Canet, je sais pas ce que t'as en fut, toi, t'as mieux, non? Moi, j'ai du 2-6 qui me confère plus 1 châtiment. 2-6? Ouais. Voilà, j'ai 6-4, du coup, je sais pas ce que tu peux faire. 2-6, non, je vais garder parce que au moins ça me donne de l'armure magique. Je suis un peu en manque d'armure magique. D'accord. Le châtiment, je sais pas ce que ça fait. Je peux apprendre un sort de plus, j'ai un mémoire en plus. Moi, j'ai pas assez de sorts pour pouvoir prendre celui-là. Bah, après, moi, j'avoue que j'ai augmenté de 2 mémoires et malgré ça, ça m'a donné 3 emplacements de mémoire. Ah, ouais, peut-être la mémoire de base en plus au niveau 6. Ouais, j'avoue, j'ai level up et j'avais 2 emplacements de mémoire, j'en ai un 3ème là aussi. Bah, nickel. Bah, du coup, je peux monter full intelligence. Du coup, j'ai encore plein de sorts que j'ai pu mettre dans ma barre. Comment on trie les sorts encore? Ok, le manif. Dans la barre. Faut déloquer le cadenas. Tu fais glisser. Ah, du coup, j'ai perdu un point en aéroture, je vois. Par contre, moi, je viens de voir, j'ai l'adresse. Quand je l'up, ça m'augmente juste le poids et la valeur. Donc, la valeur de. Moi, j'hésite pour. Du coup, je me dis, ça sert peut-être à rien que je la vole, parce que j'ai l'impression qu'au final, le crochetage, dès que j'ai l'adresse, c'est du 100% partout. Comme si j'avais aucune chance de le rater. Qu'est-ce que je prends à votre avis? Parce que pour l'instant, en capacité civile, j'ai 1 en troc et 2 en télékinésie. Ah, pareil, je vais pas reprendre. J'ai 1 en éloquence. Moi, j'ai 1 en troc, 2 en éloquence, moi. Faut peut-être que je monte l'éloquence si je parle à des gens. Moi. Bah, généralement. Est-ce que c'est une bonne idée de tous les deux monter l'éloquence? Je sais pas. Mais en même temps, s'il y a des quêtes où faut que ce soit vraiment moi qui parle. Je sais pas. Maître du savoir, on a quelqu'un qui a ça ou pas déjà? Oui. Toi? Ouais, j'ai... T'as que 1 point, c'est ça? Non, j'ai 2. Ah ok, bon ça va, alors pas besoin. Vous me conseillez de booster l'intelligence, du coup? Quoi? Vous me conseillez de booster l'intel, moi, quand j'ai vu un nouveau sort encore ou... Je parce sais que pas. Je pense pas avoir besoin de force ou de dextérité ou... peut-être un point de mémoire. Vu que c'est moi qui vends et tout, j'ai repris un point en troc, moi, je suis à 2, là. Ouais. Si je mets un point de mémoire, je peux mettre putréfaction. J'avoue que je sais pas trop où mettre mes points non plus là. Ouais. Arbalète. Donc ça fabrique des arbalètes. Parce que j'ai looté une arbalète sans corde, du coup j'avais une corde à l'arc, je dis bah tiens, je vais les combiner. Ah. Par contre, je perds en déplacement, mais je gagnerais tellement de dégâts. L'armure physique de l'ennemi. Il va falloir que je teste si elle est mieux ou pas. Je vais pas apprendre la compétence. Mettre un point en fripouille et puis apprendre la compétence couteau à dents, c'est nul quand même. Bah ouais, faut voir ce qu'elle fait, mais bon, c'est pas. Après, ça fait des dégâts physiques, moi je fais pas de dégâts physiques, mais bon. Bon, je pense pas que ça va être le coup. Ah oui, la constitution aussi. Ah là, je suis. Avant, j'étais que invocateur, mais là, je suis vraiment les deux. Là, j'ai 3 sorts de. Nécromancie. De nécromancie, plus mes 2 sorts d'invoque. Ah, c'est bien. Mes 2 boosts d'invoque. Ouais, je suis vraiment les deux. Je suis vraiment plus classé là. Voilà, pour votre. Je sais pas si je monte la constitution ou l'intel, moi. Là, j'ai monté intel et mémoire, moi, pour pouvoir me prendre mon dernier point. Mon dernier on a 2 points, oui, donc j'ai monté les 2, voilà, parfait. Ouais, je suis à 17 d'intel, moi. Et 12 de mémoire. J'ai pas monté force ni dex. Puis je pense que je vais monter en aéroturge vu que j'ai perdu mon point que j'avais.
Je vais monter. On va monter Drosophiste encore. Clairement, je vais. Ouais, clairement, je vais. Okay. Voilà, je sais pas. Je, moi, du coup, je suis plus occupé de la distance. C'est bon pour moi. Plus de la distance. Moi, c'est ok pour moi aussi. Je pose la question. J'hésite entre prendre le truc à deux armes. Pour l'instant, j'ai zéro point. Alors moi, je vais clairement me mettre 9 en invocation. À deux armes ou armes à deux mains? À deux mains, pardon. Ah oui. Ou alors commandement, où j'ai 0 points aussi. Commandement confère des bonus d'esquive et de résistance à tous les alliés dans un rayon de 8 mètres. Sachant, ouais, mais après, sachant qu'on est de distance, on va être rarement dans la situation au moins de 8 mètres. C'est con parce que faudra peut-être que des fois on soit ensemble, parce que par exemple au cœur de la mêlée, vous gagnez un bonus aux dégâts de 10% pour chaque totem ou personnage proche, vous y compris. Plus on est de fou, plus on rit. Après, s'il parle juste de personnages proches, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'il parle aussi des ennemis, si c'est personnage. Ouais, c'est bizarre le terme personnage, ça comprend tout le monde, les ennemis. Pour moi, ça comprend tout le monde, dont les ennemis. Hein. Parce que moi j'ai ça aussi avec Infection, du coup, ça touche les personnages, je pense aussi. Mais ça, oui, au cœur de la mêlée, en effet, la mêlée, c'est toi et les ennemis. D'accord. Ouais. Putain, je trouve il est trop stylé ton perso, le skin de ton perso Dark Law, là. Dans moi je me mets... La barre de... la barre de guerrière, quoi. C'est clair. Je me mets clairement 4 en porte-bonheur, hein. Je crois qu'il y a bien boxé là-dedans, pour lui. Ouais. Moi je sais, franchement j'hésite beaucoup, je sais pas trop dans quoi mettre. Moi j'avoue que je me suis rendu compte que j'ai fait la connerie de EP adresse quoi. Ça apporte vraiment ça augmente... rien du coup. Bah en fait ça augmente juste le poids que je peux porter ou le nombre total de pièces d'or que je peux porter. Ah oui. Mais je pensais que le crochetage en gros. Mais vu que c'est ce qui me permettait crochetage, je me suis dit crochetage à un pourcentage d'échec et je me suis dit en le montant bah ça réduit le pourcentage d'échec. Ouais, je vois. Ouais. Sauf qu'apparemment, dès qu'on a le crochetage, c'est 100% directement. Ouais, après ça augmente ouais, que le poids et la valeur de pièce. Ouais. Et bon, t'as combien de points dedans? J'ai mis 2 points. Bah ça va encore, t'as gaspillé 1 point. Non, non, j'ai mis 2 points manuels dedans. Ah, donc t'es à 3 Ouais, là je suis à 3. Mais je suis dans 1 avec l'équipement, donc j'ai dû le payer qu'une fois. Donc ouais, au final, c'est pas si grave que ça. C'est, en fait, oui, j'ai mis qu'un point en plus. Ouais. Donc, ouais. Ah, je peux prendre ce sort-là aussi. Désir de mort. Ici, pour un bonus de dégâts égal au pourcentage de vitalité qu'elle a perdu. Moi, je vais me spécialiser dans les armes à deux mains. Je peux mettre un truc dans la deux. Bon, pour l'instant, oui, t'as toujours été que arme à deux mains. Est-ce que je me garde le chat dans ma liste de sorts? Bon, il a pas l'air d'être incroyable, je t'avoue. Mais... Bah, ça peut vraiment juste servir si je suis dans la merde, j'invoque le chat et je me TP à sa place. C'est juste ça en fait. Après, moi, les sorts de TP, j'en ai aussi donc. Ouais, donc allez, je vais prendre mon. Je vais avoir... Comme ça, je vais avoir 5 sorts de nécro sur moi. C'est vrai que pour le moment, du coup, j'utilise. J'ai des gants pourris juste parce qu'ils me confèrent le sort téléportation. Quoi. C'est ça, à un moment donné. Donc... Je veux pas m'en séparer. Peut-être que tu l'achètes. Ouais, ouais. J'hésite entre prendre mettre plus d'éloquence ou plus de télékinésie, parce que pour l'instant télékinésie je sais pas. C'est pareil, je sais pas si ça sert à grand chose parce que moi j'ai un sort c'est de TP encore une fois donc. Mais télékinésie c'est pour moi, c'est pour déplacer les objets. Ouais mais les objets je peux les TP avec mon sort, c'est ce que je voulais dire. Ah oui. Peut-être éloquence. Et de plus loin donc. Je vérifie si ma créature elle a grandi, j'ai pas l'impression. On a encore des trucs à vendre du coup. Ouais, c'est vrai que je t'ai filé mes anciennes armes. Trop stylé ce truc-là. C'est quoi? J'ai jamais fait gaffe les galets qui se mettaient quand Henri faisait la double vue. Ah. Par contre, t'as un truc qui brille au-dessus de ta tête. Ah bah il est parti. Ouais, j'ai mis lucidité. C'est un sort que j'ai pu enfin mettre. Je crois qu'elle a plus de pics sur la tête, la créature. J'ai l'impression. Elle est plus corchue, comme ça. Ah, j'ai enfin tir dans le ciel. Putain, mais tu débloques une compétence comme ça? Non, en fin de compte, je les avais débloqués. Ouais, et du coup, ouais. Là, je me suis rajouté 3 points de mémoire, ça fait plaisir. Ah oui, t'avais pris le mnémoniaque là, je sais pas quoi. Ouais. Non, j'ai pris 2 points directement dans mémoire. Ah ok. Après, du coup, je peux pas ma dex ni rien, mais bon, je me dis, ça sert toujours quoi. Ouais.
Au lieu de... Ah oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas... Il y a un talent qui offre 4 points de mémoire, je crois, d'office. T'aurais peut-être dû attendre de débloquer ça. Ah, j'ai pas pensé. Ah, regardez l'effet de infection. Ouais, c'est moitié poison en vert. Ça dégouline des mains. C'est quoi ça, ouais? C'est dégueulasse. C'est là, avec les bougies autour et tout. Je fais équipe avec ça, moi. Ça a l'air d'être de faire pas mal de trucs. Le bâton, il est infection, stylé, par contre, infection, comme j'ai augmenté ma nécro, là, je fais de 38 à 40 bougies. 42 points de dégâts. Putain, on est trop fort pour et le donc, jeu. J'inflige maladie, etc. Dommage, on peut pas. Attends, et moi, c'est quoi ça? Oh la vache! Oh, ça explose. J'ai juste vu que ça explosait, t'étais trop loin, j'ai pas vu ce que ouais, ça. J'ai vu qu'une explosion. Brûle les ennemis autour de vous et leur infl... Ah oui, c'est que les ennemis en plus. En gros, je peux être au cœur de la mêlée et faire ça. Wow. Putain, mais quand vous débloquez des trucs comme ça, là, comment vous faites? Ah tiens, j'ai des désirs de mort aussi, c'est quoi l'effet? Ouh. Mais en fait, le con, c'est juste des sorts que j'ai achetés. Oh, stylé, je suis comme un fantôme comme ça avec des désirs de mort. Ouais. Et moi aussi je veux de nouveaux sorts. Par contre c'est stylé, le tir dans le ciel. Le tir dans le ciel, comment que je saute. Ah, j'avoue, c'est classe. Après je sais pas à quoi ça sert de sauter en vrai. Mais... En fait ça me donne le bonus de surélever. Ah oui, mais j'avoue s'il y a une cible qui est en hauteur justement, tu peux la voir en sautant, en te mettant à sa hauteur plus ou moins. Ah je sais pas, ça ouais, ça sera un test à faire. Ah je suis content, je ressentais pas. Ou si t'es bloqué par un objet, tu peux sauter et peut-être l'atteindre. Ouais, peut-être. Oh, c'est... Je ressentais pas l'effet côté nécro de mon personnage, mais là, tout est complètement. 5 sorts. C'est clair. C'est clair. Bah, là, j'ai 6 sorts en chasseur et 4 en pyrokinésie. Ouais, on est classe, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup fait là plaisir, hein. On arrête. Bah, tu ouais, je pense que ouais. Si on part ailleurs. Les 12. Oula, j'ai vu des points rouges. Bah, moi, en vrai. En bas, j'ai vu un point rouge aussi. Je sais que... Enfin, ouais. Outre le fait que j'ai dit que je voulais arrêter à 23h, vous comptez arrêter de toute manière? Ouais. Là, je commence un peu fatigué. Ok, vraiment. Ok. De toute façon, on joue, je joue. Mais voilà, ouais. Ouais, j'avoue que ouais, j'ai pas envie de m'arrêter, mais j'ai pas envie d'être crevé non plus demain. Ce ouais. Serait pas raisonnable. Moi, ouais, c'est ça aussi, je sais. Finalement, on est enfin sorti. J'ai pas envie d'arrêter, ouais, mais ouais. Et puis, on est sorti, mais en même temps, en fait, on peut revenir. Oui, oui, ouais, ça ouais, parce qu'on est toujours sur la même île, ouais, on a juste bah oui. Fort job, on peut repasser le pont, là. Il y a tellement à explorer autour, quoi, je sens. On va jamais sortir de cette île. Il y a tellement à explorer, ouais. Et tu vois que quand tu défiles la carte de la droite, ça a l'air d'être grand, quoi. Ouais, ouais, c'est beaucoup de choses à voir, encore. Y a... Ah, tiens, il y a un coffre là-bas aussi, qu'on avait vu sur la map. Ah oui. Ouais, ouais, j'ai vu ça, le coffre, sur la map. Donc, Je ne touche pas le sol. Ça m'éclate toujours autant, ça. Et puis on a peut-être le petit truc d'aller défoncer les gens qui sont au port, on aura peut-être ça. Ah, je voulais vous voler au-dessus, mais je peux pas. Bon. Je peux tester mon sort avant qu'on quitte. T'as sauvegardé, Pidgey? Non, ça. Enfin, oui, j'avais dû sauvegarder. Crions, agenouillons-nous. Bon, je nous ai tous trempés, là, ça vous... Voilà. Alors je teste l'infection sur l'un de vous et finalement les autres autour sont infectés. Ouais, vous avez maladie aussi les autres? Moi non. Ah, y a des autres, je suis dans le mal. Hein. Ah bah le soin marche quand même, hein, tu vois, malgré le... Oh, je suis toute dégueulasse comme tout à l'heure. Ouais, c'est la maladie, ça inflige. Ça fait maladie en fait et ça fait faire... tu fais moins de dégâts. Par contre, j'ai regardé, le malus il est sévère en maladie, moins 35% de dégâts, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Oh, j'étais moche. Je ne vous permets pas, le fou. Je ne vous permets pas. J'étais tellement moche. Attends, bon, je tente désir de mort, quand je suis. Wow. Je t'ai fait désir de mort pendant que tu sautais. Ah, regardez, je suis pas bien, là. Je convulse. What? C'est le spectacle. Arrête de nous geler, là. Enfin, Ifan. On fait des effets. Mais je vais pas le tailless, moi. Le bordel. On essaie de faire craquer le bouton. Ça craque. Ça craque. On va faire craquer le jeu. En tout cas, l'écureuil, il est pas content. Il convulse. Avec toutes ces conneries, on va rameuter le... C'est la guerre. Pas dire, vous allez... guerre. Ah oui, non, c'est vrai que t'as fait une sauvegarde. Oh, regardez comme je suis classe.
De quoi, ah je vois pas. Tout argenté. Oh. Ah oui, qu'est-ce qui t'arrive hein. J'ai fait cœur d'acier. Ah, c'est stylé. Pourquoi avec nous qui sommes en état de choc à chaque fois quand je fais de la faute. Ça me confère de l'armure physique en plus. Vos cœurs votre cœur envoie du métal liquide dans vos veines, ce qui vous crée une couche épaisse d'armure physique. Mais c'est trop classe, je devrais l'utiliser. Je t'ai mis le feu. Ça fait beaucoup d'effets sur la mob en même temps. Le bordel. Non mais vous écartez pas là, je peux plus vous mettre de la OE partout là. En plus je me mets avec vous, donc je suis gentil. Je me cible avec vous. Kenneth, tu t'éloignes un peu trop là. Ah bon. Eh j'ai plus vie, enfin j'allais dire vous non plus. Aïe. Oh, on l'a attaqué en même temps, on l'a fini avec la créature, il y avait tout. Fuck de sœur, ouais. Faudrait qu'on soit même pas pourri, on fait un combat entre nous, mais je suis un peu tour de jeu, quoi, mais ouais, ça part très vite ensuite. Et plus moi, ce qui me fait marrer, c'est les curieux qui se barrent à chaque fois parce qu'on attaque, du coup. C'est super chaud de vous tuer, vous, en vrai. Ah, ma créa, elle est morte. Mais pourquoi ton armure magique, elle se régène? Je sais pas. Non, le nain, on dirait le nain, je tue. Ouais, mais je suis con, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, en plus, ouais, y'en a qui parlent. Une créature électrifiée. Oh, créature de ou électrifiée ou de normal? Oh, électrifiée, je crois ça. Okay. Incarnation, insufflation d'électricité. Oh, c'est la première fois que je fais une créature électrique. Oh, elle a quoi son pouvoir? Projette une décharge électrique qui inflige 44 à 48 points de ouais, dégâts. Il sort de tout, mal, ouais. C'est... Mais c'est cheaté. Ce combat de Gamiamia. Vite, faut que je te booste, tu vas mourir. Je suis toujours pas mort moi, t'arrives pas à me tuer. Non, je claque tout, j'arrive pas à te tuer, ça marche pas. C'est horrible. Ah, Max, ouais, vous allez vous calmer là. Ah merde. Tiens, tiens. Mais il danse dans tous les sens, il fan. Tu vois, j'arrive pas à le viser. Ah ça y est, t'as attaqué mes points de vie. Ah j'ai froid. Ah enfin. Ah ouais, t'as de choc. Bon, Iron Woman va vous attaquer, hein. C'est clair. Ah oui, l'autre avec son... Non, toi, tu t'en vas, toi. Oh, j'ai visé à côté, merde. Oh, ça marche pas. Le salaud. Je m'en fous, je vais voler. Mais pourquoi je regagne des points de... Oui, c'est sûr. Ah, c'est parce que t'étais hors combat, tout simplement. Ah, peut-être. Ah, tu ne tapais pas toi depuis tout à l'heure. J'arrive. Oh, je suis glacé. Regarde, j'ai les mains en l'air. Je suis en train de faire un sort. Bon, il suffit, je vais mettre un Gamiama dans sa tête. Hein. On va crever. Tant qu'on a save. Ah si, je suis presque mort. J'ai 39. Non, mais t'as récupéré ton armure magique. Ouais, les points de vie ils viennent pas, mais c'est l'armure. Ouais. Ah, pour le. J'ai la compétence vampirisme si je suis sur du sang. Et ça me demande de trouver une cible. Donc ça se trouve, je peux vous guérir. Ouais. Je peux guérir certaines personnes. Peut-être, ouais. Et pendant ce temps, il y a toujours le corps du marchand à côté. Ah, je suis presque mort. Ah non! Ah ça y est, je suis mort. Yes. À toi, Darklo, t'es où? C'était long, moi, bordel. Alors, tout se passait bien, les aventuriers se sont tués entre eux.
Ça, c'est juste à faire quelques petits pattes de côté là et ça fait rien. Avec ses conneries, hein. Oh, c'était quoi cet effet là, ce style? Ah, c'est la chaîne. Non, pas ça. Ah, je sais pas si elle a fonctionné. Oh, c'est dedans. Il est pris de spasme. Ça, tu me fais trop mal. Au secours. 125, elle a combien? Ah, elle a encore beaucoup, elle a 136. Mais comment tu te soignes en fait? Je te soigne? Non, toi. Ah. Ouais, bah, toi, tu gardes de la vie. Tu gagnes de la vie à chaque fois. Mais c'est hors de soin. Oh, le connard. T'as, toi aussi, t'as un sacré bâton maintenant dans le dos. Ça va, c'est le cadavre de Sybille. Ouais. Et c'est clair que j'ai fait avancer ma quête, mais c'était pour vous tous les loups. C'était un. J'avoue. Je me suis soigné, je m'en fous. Non. Je veux être le dernier survivant. C'est un Battle Royale. DOS 2 Battle Royale. Wow. Ce se passe. En fin de compte, les sortes de zones, ils nous font pas de comment de dégâts parce que c'est considéré pour les ennemis. Ah. Ouais. Oh, il m'a tué un petit tas de sang. Ah, tu l'as tué vite quand même. Le karma. T'imagines le discours du gars là, c'est ah, je vous ai tous. Est-ce que je peux me tuer maintenant? Je me suicide, j'ai été pris d'une folie, j'ai tué tous mes compagnons. J'ai tué tous mes compagnons. C'est beau, c'est beau. C'est beau. Je suis pas bien. Il a froid et électrique en même temps. Va-t-il se tuer? Il reste 44 points de vie. 10. Mais en vrai, ouais, il se passe quoi si on est tous les 4? C'est pour ça que je voulais voir. C'est des mauvais normalement. Ah, mais attends, mais ça fait pas de. Ah non, ça fait pas de dégâts ça ou quoi? Non, non, les... en fait, les dégâts de zone, c'est comme ma combustion. Votre groupe a été vaincu. On s'évacue. Mais attends, mais ça, ouais, c'est, mais bon à... c'est quand même bon à savoir. Menu principal. Et t'imagines, c'était en mode hardcore, on a. Et vous savez passé. Que sans vouloir, j'ai failli supprimer notre sauvegarde. Genre, vraiment. Le pire. Moi, je suis sur le menu du jeu. Ouais, j'ai quitté le menu. Ouais, aussi. Ouais, on quitte 4, c'est rapide.